Et yo, bonsoir. Hop, c'est vrai qu'il faut mettre la radio avant. C'est terrible. C'est pas 4. 1, 2, 4. Et 47-23 degrés, madame 47 en l'espace 01 direction dans les racailles. Tout de suite. J'ai mal. Oui. Ça va? J'ai pas fait gaffe et j'ai eu mal. Mais sinon, c'est ok. Ça va, toi? Ah, bah, il va bien, le gars, aussi. Bah, il a l'air d'aller bien aussi. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Tu veux m'arrêter? Non, bah, non, pas de problème. Bon, bah, nickel. Et tout de suite, j'arrive en service. Mais ça marche, tout de suite. Sur une couleur verte avec bande blanche et le nom vert. Et 26 prises de service, bonsoir à tous. Quelqu'un veut me récupérer pour faire une Adam? Eh ben disquette. Et on est vers la marina. On remonte qu'elle est nord à côté de la station essence. On passe derrière le 8 de News, toujours nord Calais.
parking rouge. Toujours reste Spucci. On va arriver place centrale. Je suis derrière toi. Je conduis. L'inter. Alice 4, Adam 26 sont trop loin. Western Andreas, on reste pas ses cubes. Chez Strawberry. Et du coup, Adam 26 en plus de. Oh, Strawberry, on est derrière le unicorn. Qu'est-ce que tu attends, je suis là, 92. Hop, je te mets en plus de. Western Affront. Et Nord et Dune. Ok, c'est parti. Hop hop hop. La centrale. La centrale, courage. Voilà. C'est la 10 que vous avez pris. Hmm. Ah ouais, 10. Il y a 29 en plus de. Et tu peux, on arrive. On est à 300 mètres. C'est vrai que tu le verras. Ah ouais, une fois que. Eh ben, courage à toi aussi. Et du coup, vous me dites quand vous les disparaissez. Oh putain. Oh la buffalo sous la pluie. Oh là, au réveil. Oh là, j'ai une migraine. Ça va être exceptionnel. Ça va être un très grand moment. Ça va, c'est pas la comète Safdi, hein. Hier, la comète Safari, c'était insuivable. Ah ouais? Bah en fait, la comète Saf a une reprise d'enculé. Et le seul véhicule de police, je pense, qui a une accélération aussi bien que la comète Saf, c'est le scout. Et dis-toi que hier, 46 le suivait, mais il était à 160 km/h de moyenne. Sauf que bah, la Buffalo, elle peut aller à 200, mais il lui faut du temps pour monter. C'est ça. C'est ça les diesels. C'est ça. Heureusement que c'est pas du diesel, putain. Déjà qu'on a une vire électrique, en même temps c'est pratique et en même temps c'est terrible. Je sais pas ce qu'il essayait de faire avec son zigzag là. Une feinte. Alors c'était soit il prenait là, soit il prenait le mur donc. Allez, disquette. Attention. Presque le guerrier, hein. Bah elle est presque garée, que... franchement. Je sais pas, moi j'ai pas senti grand chose. Hein. Genre vraiment pas. Arrêtez-vous. L'intimidation a pas fonctionné. Ah ouais, je vois ça, ouais. Alors que j'étais au max, hein. C'est du max que quand je veux faire peur. Moi j'aurais eu peur à sa place. Hein. On est bien d'accord. Si j'arrivais plus à faire peur aux gens, mais ce serait terrible. Non, ce serait plus. Ce serait plus terrible si les gens pouvaient plus avoir confiance en moi. Et si les gens me respectaient plus non plus. Il y a plein de trucs qui seraient terribles. Les agents, vous voulez dire? Les agents et les criminels. Oui, parce que les civils, c'est déjà un peu le cas tout à plus. Oui, c'est ça. Bon, heureusement, pas tous. Il y en a des biens, il y en a des biens. Mais si, lui, non, mais il y en a des biens, quoi. Enfin, ça s'entend. C'est tous les mêmes. Enfin, il y en a des biens, mais.
S'il y a un problème, on sait de qui ça vient. Du Weasel, effectivement. Est-ce que ça peut être considéré comme la discrimination à l'embauche, mais à l'inverse, du coup? Alors, tu fais partie du Weasel, c'est un problème. Quand je dis ça, alors qu'il y a... Monsieur Antoine Néoroy. Antoine Néoroy, c'est très bizarre, hein, parce que, putain, il y en a un des deux qui a pris tout le cerveau entre les deux frères. Et c'est même pas celui qui a fini frère. C'est celui qui a fini mère. Il y a un repère à gauche là, je crois. Ah, il nous trace là, c'est terrible. Oh putain. Ça se passe. Il est combien? On est une unité. Il est dans le rempart ou pas? Ah bah c'était dispo, ouais. Quel dispo? Alors il a pris le chantier sur Alta. J'ai en fait, il y a tout ce qui part là. On est censé faire quoi là? Il part de visuel. Et reprise de visuel. Power Sud. Bah t'as dit reprise de visuel, j'avais pas encore repris le visuel. Ah ouais? Alors je regardais sur les côtés. Il prend le parking, etc. Et il prend sud. C'est. J'ai pas le modèle vert à l'envers, la branche centrale, ouest San Andreas. Sud Alta. Le gars c'était un poseur, hein, parce que quand on est arrivé il était torse nu, sous la pluie, assis sur sa caisse. Oui, de fou. C'est un poseur. Est San Andreas. Nord Alta. Est un petit Oui, c'est ce que je Sud de Power. Et il reprend le parking, tiens, il va sortir sur Edwin. Sud Edwin. Oh, il a tourné vers le PDP. Ah, il a pris de l'autre côté. Ouais, non, il est là. Oui, mais. Oui. S'il était venu sur nous, ça aurait été plus simple. Place centrale, nord Strawberry, ouest San Andreas, sud Edwin. Et après les deux. Aïe. Nord Power. On est là. Il y a bien des parties sur quel parc la plage, hein. C'est reparti pour un tour. Hein. Oh, je suis dégui. On a plus de parking, je crois. Bah, j'entends plus les gyros. Ok, s'ils sont dans le train. Non, la fenêtre, il est dans le véhicule. Ouais, il est dans le véhicule. Ouais, ce demi-tour était exceptionnel par contre. Magnifique. La 46, je vais sur l'avant-dernier bruitage dessus. Mais en plus que... Je t'avoue, lui, j'y crois moyen qu'on va le choper quand même, parce que il a juste une voiture qui a suffisamment de reprise pour bien nous mettre la mine sur les virages. C'est ça. Et c'est imprudent, il fait rien de dangereux.
dans l'efficacité. C'est ça. On a cru qu'on allait se faire avoir, là. Franchement, il y en a, ils ont beaucoup d'espoir. Hein. Le pire, c'est Giordano. Giordano, il se cache dans des buissons et est persuadé d'être invisible alors qu'il est en contender. Il est en partie... C'est très drôle. Et Giordano, il est rigolo. Hein. Et con. Ils sont tous des côtés rigolos. Oui, ouais, ce petit côté. Oh putain. Petit côté rigolo qu'ils ont tous, ces criminels. Des fiefés gredins. Ah là là. Quel plaisir de passer des soirées au bar avec eux. Évidemment. Je pense qu'on devrait faire des articles là-dessus. Oui. Sur la compromission du LSPT. Ah oui, vrai, la compromission, vraiment. La valse infernale. La valse infernale, ouais. Qui remet... en question notre intégrité. Putain, c'est chaud. Déjà que le Weasel News a plus souvent parlé de moi en tant qu'artiste qu'en tant que capitaine. Ce qui... Alors j'aime bien, hein, mais j'ai fait deux musiques, mec. J'ai fait genre... J'ai rien fait, s'il vous plaît. C'est vrai, j'en ai fait trois. J'en avais fait trois et demi. J'ai fait un feat récemment. Et non, même pas avec un artiste de Goliath, je suis désolé. C'est terrible ça, capitaine. Mais avec l'un des rares artistes qui est encore chez Nova. C'est pas sympa pour Nova, ça. Bah, c'est vrai. Écoute. Nous, c'est la stabilité hein, chez Goliath. On a tenté de recruter d'ailleurs hein, l'autre soir, mais... Sam. Ah oui, j'ai tenté aussi. Il est là, oui, mais non, mais pas encore. Je le mérite pas. Ah bah là, je les ai tous des canaux là. Aïe. Mais bon, moi j'ai créé un label alors que j'ai besoin de finir de ma vie. Oh, j'y suis allé au culot là. Ah, il y a un retardateur qui arrive pour prendre le. Wouhou, le miracle! Ah oui. Alors, je crois que tu peux soigner, ah, oui, sans doute. Il y a combien de braquages super qui ont pas été pris là? Là il y en a un. Ok, ça va alors. Moi j'en ai. Et c'était il y a 4 minutes. Ok, bon bah ça va. Lui, vu le truc qui vient de se prendre, ça devrait le faire, on devrait le choper. Ouais, on en a un qui s'est séparé, on essaye de le retrouver là parce que vraiment c'est pas lui qui a fait le braquage. Mais ouais, tu iras écouter le dernier son d'Antares sur le site de la mairie. Ah, c'est sur celui-là que vous avez fait votre feat? Ouais. Ah, j'ai pas encore écouté, ouais. Il est sympa. Et du coup, j'ai fait du rap. Fait du rap, capitaine? Eh oui. J'ai hâte d'entendre ça. Ah, j'ai tout donné. Hein. J'ai regardé comment faire du rap sur internet. Yo, je suis capitaine qui fait du rap. C'est littéralement ma première phrase, c'est yo. J'ai été insultant aussi pour faire comme les rappeurs. Mais non, moi je suis pas vulgaire. Insultant ne veut pas dire beaucoup. C'est vrai. Je suis rarement insultant. Si. Non, c'est la même, moi j'y crois pas. Je suis cordial. Cordial, oui. Je peux être cordial quand il le faut, quoi. C'est un peu passif-agressif. C'est ça. Ça peut m'arriver d'être passif-agressif. De 8 pourtant s'il va sur le super. Alors là, j'en ai perdu là parce que... T'as dit quoi, pardon? Mais vraiment, c'est terrible, j'ai des problèmes d'oreille, j'entends les gens pas fort. Ah, j'ai dit, on a pas encore démantelé le trafic de 8, mais ça y va quand même sur le super, c'est une navire. C'est clair. Qu'est-ce que ça va être quand tu... Ouais. Ça va être rigolo. Mais là, honnêtement, il n'y a pas un labo qui est tombé depuis... En tout cas, depuis que je suis là, il n'y a pas eu de labo démantelé. Ça, c'est sûr. Bah, moi non plus. Si on avait eu depuis que t'étais là, mais depuis que je suis là, ça aurait été bizarre.
Putain, c'est vrai qu'on a des vacances, une quête éclair, le FIB qui répond du tac au tac. Le FIB. Le FIB qui répond du tac au tac. Il est hilarant. Ouais, mais moi j'ai pas. Oh putain, mais les braquages là. C'est quoi? Il y a un monde. Moi j'y crois, hein. Pour l'instant, je sais pas qui est-ce qu'on a chopé sur les sup. Mais il y a un monde où les corbeaux ont payé Mistral. Ont payé Mistral, ont payé les nomades, ont payé les Vagos. Pour faire diversion dans la ville pendant qu'ils vont taper les corbeaux. Pendant qu'ils vont taper les Shinzen, hein. Mais ce serait. Ah, ça c'est un cul-de-sac. Ouais, non, mais là c'est. Bon mince, on s'est fait eu. On s'est fait eu. Plus talent. Qui l'eût cru? L'eût-tu cru? Effectivement. Je vais prendre la dernière. Putain, on fait 4 sup en même temps, ça c'est boost. Ah, c'est de l'efficacité du USB. Vraiment, ça reste mon meilleur flex, ça restera ma première soirée de service en tant que cadet. Où il y a eu 35 supérettes dans la soirée. Pardon? Oui, 35 supérettes dans la soirée. Il y a eu 3 arrestations pour des sup. C'était moi les 3 fois qui pilotais. Ah oui, d'accord. J'étais là depuis la veille. Ouais, le ratio de l'époque, il devait être... Ah oui, ah non, mais le ratio de l'époque, c'était terrible, hein. Leur époque, c'était même pas 1 pour 10, je pense. Ah bah, 3 sur 35, oui, c'est pas même pas 1 pour 10. Mais non, vraiment, c'était mon premier soir à moi et à mon frère. 35 sup, masse de drogue, vraiment, c'était une soirée de l'enfer du cul. Au total, dans la soirée, il y a eu 5 arrestations. 2 fois pour de la drogue, 3 fois pour des sup. Mon frère, il a été sur un truc de drogue, moi j'étais sur un truc de drogue et les 3 sup. Mais comment ça se fait que... Comment ça se fait que quoi? Comment ça se fait qu'il y en avait autant et si peu d'arrestations? Bah parce que vraiment, enfin... Alors, vraiment, la communication à l'époque, ça ne faisait... C'était terrible, mais quand je dis que c'est terrible, je veux dire que c'est terrible. Les gens ne s'annonçaient pas quand ils allaient sur les supérettes. Ah oui... Des fois, tu te retrouvais à 3 bagnoles sur la supérette et tu t'en rendais pas compte. Il y avait pas de procédure en mode non, mais que 2 voitures ou non, on en voit 3. D'accord. C'était un bordel sans nom. Donc en fait, tout le monde allait sur la même sup et les autres. Ouais, voilà. Mais vraiment, c'était une soirée où j'étais avec 30, 30 qui me laissait conduire dès le premier soir. J'ai l'impression de dire un truc très sexuel, mais non, c'est juste qu'il m'a laissé conduire très vite, donc ça c'était pas mal. Bah, de toute façon, c'est soit ça, soit l'épaule. Et vraiment. J'ai passé plus de... Enfin, dans la soirée, j'ai passé une heure en GAV, mais je m'arrêtais pas, quoi. Parce que du coup, trois quarts d'heure pour de la sup et un quart d'heure pour de la, du flag. Parce qu'à l'époque, oui, on embarquait pour le flag. Ah ouais, même pas en récidive. Même pas en récidive, ça dégoûte. Ouais, des fois, ça peut arriver, s'ils sont chiants. Oui, s'ils sont chiants... Quoique, ah non. C'est peut-être... Ah si, je crois que je me souviens que c'était... Non, on l'avait pas embarqué au final. J'avais juste passé 3 quarts d'heure en GAV, mais sinon, bam bam bam, ça enchaînait. Ah. Non mais, vraiment les vélos, hein. Quand c'est des vélos et qu'on le sait pas et qu'on peut pas se permettre d'y aller... Enfin, perso, moi j'ouvre la... J'ouvre la porte, hein. Mais les couilles. Laquelle, pas centrale? Ouais, celle qui est juste là. Mais c'est une blague! Autorisation de faire la voiture et de taser. Autorisation de quoi? De descendre de la voiture et de taser. 10-4 s'ils sont immobilisés. Non, mais il y a un moment, ils ont braqué des sujets devant nous, c'est la deuxième fois. C'est là, ça. Non, mais oui, tasez-les, ouvrez. Enfin, bah, ouvrez leur la porte sur la gueule, hein, arrêtez-les, merde! Ça, il braque des sups pendant la séco, c'est une dinguerie. Non mais oui, non mais ça tu laisses pas faire, enfin... On a arrêté le supagette.
Oh, c'est la deuxième fois qu'il tente ce passage, je sens que le gars il est à bout là. Vraiment. Je crois qu'il faut s'arrêter là. Arrêtez-vous au poste, il est pas loin. Garantie sans fourrière. Ah, je crois que ça l'a convaincu. Y'a moyen. S'il tourne à gauche. Il tourne pas à gauche. Ah, s'il tourne à gauche. Je pense pas qu'il faut qu'il s'arrête. Ouais, là faut pas qu'il s'arrête, je me suis reparti. Ah non, ouais. Il s'arrête pas. Ah, c'était juste là le parking. Non, à gauche. Ah ouais, vous êtes trompé encore. Là il reprend là. Hein. Là c'est dur en côte. Hein. Non, elle me fait de la peine, c'est caisse vraiment là. Du coup, 30. Tu sais qu'il est pied au plancher là. Franchement, il y a moyen. Juste là. Ah non, vous l'avez raté encore. Ah. Ah, ça c'est con ça. Hop. Tu descends. En fait, j'ai déjà décalé la câble de la bagnole. Eh, Dame 26, on a fini notre CP, nous aussi. T'as fouillé la voiture ? C'est les vélos qui aimeraient. Vous l'ouvrir ? Je ressors le vélo du coup. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Et du coup, monsieur Winter. Peut-être que ça sera retenu contre vous, vous avez également droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni comme une office. Avez-vous compris ? On m'a reçu ou pas ? Besoin d'eau, nourriture ou de soins ? Okay. Et bah, je suis vraiment envoyé de tirer. Je me dis si vous avez besoin d'aide du coup. C'est urgent dès que le Bénis a récupéré la bagnole. Ça marche. Tu peux répéter 46 parce que du coup ça va parler en même temps que je. Je demandais si vous aviez besoin d'aide. Bah des 5 je pense pas parce que je crois qu'il y a personne qui continue. Allez, t'inquiète, ça marche. Et je vais à la vente à la plage du coup. Et 45 19 A sur Madame Bonny. Allez, c'est et du coup 29 et 26 qui sont sur Monsieur Winter et j'emmène en garde à vue. Et bonsoir. Et bonsoir. Excusez, j'ai un petit peu mal à la tête. Je sais pas ce que ça donne, mais. Y'a aucun souci. Courage, courage. Je préviens par avance, je vais pas pouvoir vous accompagner jusqu'à la fourrière. Y'a pas de souci.
bien ici, vous êtes à la maison direct. Ouais, franchement, c'était pas mal, hein. Et c'est dommage pour lui, il se serait garé directement, on n'aurait pas eu besoin de faire appel à vous, il aurait pas eu de... J'avoue. Il serait pas fait embarquer, mais bon... On lui a proposé, hein. On lui a gueulé plusieurs fois, mais garez-vous, ça va le faire, et au final, il a refusé, donc... Il a tenté de fuir, sa voiture a calé ici, c'était triste. Ouais, c'est dommage. Bah, surtout, autant à côté... On fait difficilement plus à côté. Je crois. Ok, c'est tout bon, j'embarque ça. Eh ben nickel, parfait, merci beaucoup. Avec plaisir, bon bonne soirée, à plus tard. Ah, bonne soirée. Et bonsoir. Ah bah capitaine, venez. Oui bonsoir, c'est moi. Du coup, monsieur Pagès, on l'a chopé sur le braquage, là où il y a eu deux braquages, donc on lui met double braquage de supérette ou on lui met complicité pour le deuxième? Alors j'avoue, j'étais en train de conduire pour une autre CP, donc j'ai pas trop compris. En gros, ils étaient tous à vélo sur une sub qui avait été braquée, ouais. Puis ils sont allés braquer d'autres sub en même temps? En gros, ouais, ils ont braqué une autre sub pendant qu'on était à leur poursuite. Mais comment ils ont fait? Bah, ils sont tous dispersés, il y en a un qui en a profité pour aller le faire, et parce que bah du coup techniquement ils sont tous du même groupe. Ah oui. Mais du coup je sais que lui, il a pas braqué parce que c'est celui qu'on suivait depuis le début, donc du coup je suis en mode bah peut-être plus complicité que braquage pour le deuxième. Ouais c'est ça, là pour le coup s'il a pas été... En fait ceux où on peut pas confirmer s'ils étaient ou pas, bah on peut leur foutre les doubles braquages parce qu'il faut pas déconner. Lui, si vous l'avez eu depuis le début, vous lui mettez braquage et complicité de braquage. On l'a suivi au moment où la super... On était derrière lui au moment où la supérette s'est fait braquer la deuxième fois, donc... je pense pas que... Enfin, ça m'étonnerait que ce soit lui, quoi. Votre collègue, il a pas eu la... Voilà. Bon, bah je vais lui mettre complicité en plus, et puis voilà. Ah, nickel. Eh ben... Les With The News ont des Rebla floqués With The News. Quoi? Voilà. Bah, c'est bien pour eux. Du coup, ils pourront nous suivre avec des Reblas. Ah, super, c'est une mauvaise nouvelle en vrai. Mais super, on va dire. Bon, bah, tant mieux pour eux, hein. Ils pourront au minimum nous suivre. Et... Ouais, je suis moins confiant en termes de. Qu'ils fassent pas des conneries, mais. Franchement. Ça le fait. Rose, en soi, ça le fait. Ouais, qu'ils se sont retrouvés quand même dans des situations à la con, mais bon, ça nous isole, on sait ce qu'ils disent. Oui, oui. Question d'ailleurs. Réponse d'ailleurs. Bon, je vais peut-être m'éloigner encore un peu pour être sûr. Est-ce que pour les trucs qu'on prépare, est-ce qu'on inclut le Weasel d'une manière ou d'une autre? On en a déjà discuté et on s'est dit potentiellement uniquement pour la perquis leur définir une zone, c'est-à-dire genre le toit du mall. Le toit du mall. On en a discuté quand vous avez fait l'opération. Oui. Ok, nickel. Oui, je savais pas. J'avais pensé à la même chose perso. Mais genre leur dire vous pouvez être sur le toit du mall, voilà. Ouais. Est-ce que pour ce qui est champ et labo, c'est mort. G6 ou pas? En vrai, oui. On peut leur conseiller à la limite en mode. On peut leur conseiller de faire appel à G6 au cas où. On avait aussi réfléchi au médecin, on s'était dit est-ce qu'on demande comment on avait fait. Parce que globalement, on va reprendre le même plan que l'année dernière à quelques différences près, parce que bah, maintenant, on sait qu'ils habitent à Forum Nord. Le but, ça va être de. L'année dernière, on avait une zone de soins déjà prête et tout avec le LSMS. Là, cette année, on va pas avoir besoin de ça, parce qu'on sait pas si on se défend. Les médecins seront prévenus à l'avance qu'on va faire un truc, mais voilà. Pas plus. Il y a aussi l'appartement sur Davis. Vous avez aussi pris en compte l'appartement sur Davis ou pas? L'appartement sur Davis, dans tous les cas, on peut pas vraiment le prendre en compte dans le sens où il est trop loin. On va d'abord nettoyer. En fait, on va essayer de tous les choper. L'idée de base, bon, il va un jour poster ses notes, mais l'idée de base, c'est on va vraiment quadriller Forum Sud pour s'assurer de choper un max de monde. Si on n'a pas chopé tout le monde, dans tous les cas, on ne lance aucune perquisition tant qu'on les a pas tous. Tant qu'on en a pas récupéré au moins quelques-uns. Avec nous, et arrêté. Et une fois qu'ils sont mis, si tout se passe bien, hop, on les récupère tous. Il y a 4 ou 5 agents qui s'occupent de les embarquer et de leur foutre les amendes pendant que les autres perquis. Comme ça, on gagne un temps fou, vu qu'on n'a pas besoin qu'ils soient là pour perquis. Faut qu'ils sortent les véhicules quand même, mais oui. Ah oui, c'est pour ça, mais tu les fais sortir les véhicules, et ensuite, hop, tu perquis, c'est ok. Mais du coup, tu commences par les véhicules, ensuite on nettoie au fur et à mesure, quoi. Mais non, pour le coup... Ouais, le Weasel, s'il doit venir, ce sera pour la perquis et loin, sur le toit du moule, quoi. Oui, non, mais le toit du moule, c'est très bien. Mais tant mieux, ok. Vous et pas les faire rentrer pas dans. Vous voulez pas les faire rentrer dans le truc qu'on a vu le non, train. Évitons. Hein. Ouais. S'ils veulent des photos, on a des super selfies.
C'est ce que j'allais dire. Ah, franchement, celui-là, je veux qu'il soit posté. La disquette. Par, hein, il est magnifique. Ah, c'est au moins sur le shit post. Hein. Il est sur le shit. Oh. Et là, tu pourras. Et si vous acceptez de le poster en disant nouvelle image choquante, attention, fermez les yeux, le LSPD qui choque et qui chamboule, c'est nickel. Le LSPD qui transforme de la drogue. Évidemment. Il met des têtes de weed en pochon. OMG. OMG. Plus proche de la criminalité que jamais. Aïe aïe aïe, après ça va finir au unicorn tout ça. Au moins. Petit after, oh, tu mets petit after unicorn. Ah, parfait, nickel. Par contre, on est 115 en cellule. C'est vraiment... Il y a toutes les braquages de sport qui ont été prises ou quoi? Ah, oui, oui, visiblement. Je sais pas combien on en a eu sur combien. 4, 5, 6, 7. J'ai eu 7 sup et il est que 22h30. 8, 9, 10. Attends, il y a eu 10 sup, non? Faut pas de ma gueule. 11. Ok, recompte. 6, 7, 8, 9, 10. Mais quoi, ça n'a pas. Oui, il y a eu 11. Mais on, il est 22h30. Je vais mettre dans le 26. Pourquoi ils ont tous des sortes dégueulasses. Pour info, félicitations, ce soir nous avons eu déjà 11 de supérettes. Mais force à nous. Pas mal. La question que j'ai, c'est que vous étiez tous à vélo? Le premier qui me trouve la dernière fois, on a eu autant de supérettes, plus de 11 supérettes, a gagné un cookie. J'ai grave la flemme. Alors, puisque 11, je sais. Puisque 11, je sais pas, mais il y a 3 jours, il y en a eu 11. Ouais. Si vous arrivez à me retrouver un jour, on a eu plus de 12 supérettes, enfin plus de 11 supérettes, félicitations, vous gagnez un cookie. T'en as même pas. Non. J'en ai pas, mais je dirais. Mon approbation, c'est vachement plus important qu'un cookie. C'est pas intéressant, les cookies. Tu auras mon respect, Eduardo. Déjà, non. Si tu le crois. Bah ouais. Eh bah super. Ah, je retrouve pas, hein. C'est-à-dire que j'étais en positivité max. Bah, il y a eu 12 le 5 janvier, le 5 février. Le 5 février. Oui, voilà. Et effectivement, félicitations, tu es le gagnant. J'espère que c'est un cookie planète. Hein. Je te trouve un cookie et on te dira que oui. Ah, 14. Si tu préfères, j'ai des clopes. Ah, je suis pas. Merde. C'est 12 septembre. J'ai pas envie d'avoir un pied dans la tombe. C'est bien, belle manière de penser. Après, vu ton âge. Mais j'en ai. Quel âge, 88 ? Pardon, 48. Il est là pour en vrai, vite. Nico, 48. Je vais aller voir parce que, ouais, 23 doit dire de la merde. Allez, bon, s'il parle Winter, c'est que ça va bien en général. Ça, c'est exceptionnel. Attends, du coup, là, 28. Voilà, 29 août, c'est bon, j'ai retrouvé. J'ai été recruté le 28 août, 29 août, l'enfer littéralement, 35 supérettes braquées, 3 personnes arrêtées, vente de stupéfiants, 2 personnes arrêtées. Voilà. Dis-toi que les rapports de l'époque, c'était 28 août, soirée calme, braquage de supérettes, recrutement de 2 nouveaux agents. Et c'était moi. Terrible. Vous voulez une information dégoûtante? Vas-y. Apparemment, il y a quelqu'un en SMS qui a un chewing-gum dans les poubelles. C'est pas bien de mettre un chewing-gum dans une poubelle? Ah non, il l'a pas mis, il l'a pris. Ah, c'est qui? J'en sais rien, j'ai pas demandé. Ça me semble important de savoir. Je sais pas si. Eh, disquette. En vrai, est-ce qu'on repartirait pas sur le terrain parce qu'ils sont 15? Genre. Si, je vais donner les affaires de Winter à 20. Ouais. Alors, ça, oui, alors pour le coup, oui, effectivement, ce genre de personne voudrait mieux éviter. Parce que s'il vient à la prendre, ça peut mal finir. C'est 23, je te glisse les affaires de monsieur Winter dans tes poches. Et y'a pas de soucis, allez-y. Hop, j'ai vite fait en saisie, je vous rejoins, capitaine. Ouais, à tout de suite. Par contre, le fait que d'apprendre qui c'était, par contre.
Attends. Ok. Ok, c'est bon. On fait le plein puis on va au Bénis, ouais. Ok. Hop là. Oh putain, non mais vraiment, les rapports de l'époque, j'ai envie de crever. Ah non, s'il vous plaît, capitaine. Hmm ? S'il vous plaît, capitaine, crevez pas, on a besoin. Ah, de fou. J'ai pas prévu de mourir pour l'instant. J'espère que vous avez pas prévu de plus être capitaine. Je sais pas si on prévu de plus être capitaine. Hein. Enfin, si, d'ici une dizaine d'années, quand j'aurai de quoi m'acheter 8 villas environ. 8 villas ? Ça paye aussi bien que ça, capitaine. Non, bah en vrai, d'ici une dizaine d'années, non, bah, c'est mort. Par contre, une deuxième GTO, une GTB. Bah, du coup, j'ai M. Fischer qui traîne avec les Shinsen autour des ventes de drogue. Quoi ? Comme c'est étonnant. Shot bar de BZ. Ah, mais ils ont fermé le Bénis. Ils ont fermé le Bénis, ils sont en pause. Ah, bah, 10-5 ils sont en pause. On va attendre là. Je vais pas attendre devant le portail. Franchement. Non. Ça va les presser. Oh vas-y. Contrôle radar. Oh oui. Non, c'est dommage qu'ils soient partis en dépression 07, sinon je l'assure on le reprenait en stage pour une soirée radar. Et à Dame 26, contrôle radar au point de 07 en attendant du Benzou. Ouais, skate. Non vas-y, je vais juste te lire un rapport de l'époque. Allez-y. Rapport du 2 septembre 2022. Plusieurs deals, peu effectifs. Jean se prend une ambulance sombre histoire. Plusieurs rodéos sauvages ont mis en danger un agent et plusieurs concitoyens. Punto vous passe le bonjour. 06 et 95 ont fait une belle fin de service. Double retrait de permis sur la même personne, pauvre dame. C'est quelque chose ça. Ah, n'est-ce pas ? Vraiment c'est... C'est... Ah non mais... Oh, c'est... Oh, c'est... Ok, celui-là est la femme. Le 30 août... 2022. Début de soirée calme, braquage de biche avec deux personnes, des LSMS prises en otage. S'entame une court-poursuite contre deux comètes safari, une seule est arrêtée, Luce Anderson. Suite à la CP, Monsieur Anderson a dû être accompagné par LSMS. Plusieurs tirs détectés sur North Qualifia Way, 23 va sur place, mais RAS après quelques minutes, 18 général, il ne reste plus que 30, 14, 64. Plusieurs tirs sont encore détectés sur North Qualifia Way. Le LSMS vient nous voir paniquer en nous, demande d'aller sur place, car une de leurs docteurs, Docteur Dumont, a été agressée par 4 personnes armées, habillées en noir dont une armée d'AK-47 au niveau de North Qualifia Way. Docteur Dumont est allé sur place. Pour une alerte d'un buper avec 14h30, décidons d'aller sur place pour sécuriser les lieux. Mais quand on arrive sur place, les 4 personnes sont encore sur place. Mais ils prennent la fuite en bateau en direction du SO, puis on les perd au niveau du 30-32. Puis plaquage de Monsieur Anderson en conditionnel. Vous avez établi l'amende à Winter, on est d'accord. Et on va au nord de la ville, du coup. Pour la vanne, c'était 30 qui a écrit le rapport que je viens de lire. Waouh, mais c'était très très résumé. Hein. Ah oui, c'était. C'était bien, ça parlotait beaucoup quoi. J'ai. Waouh! J'ai imaginé le nombre de vies qu'il y avait et j'ai eu envie de dire ok, pas du tout. Non, franchement. En plus, c'est terrible parce que c'est le soir où, genre. J'étais pas en service ce soir-là parce que la veille, je m'étais fait. Oh bah. Je m'étais fait exploser dans une station essence, ça a vendu jusque-là. Ici. Bah non. Et il y a 19 SP sur Madame Johnson amendée pour flagrance délit de vente de stupéfiants. Elle est discapable. Voilà. Ah oui, du coup, maintenant quand on les contrôle, ils vont vendre directement alors qu'on est à côté. Comme ça, vous savez. Genre, il continue de vendre pendant le contrôle. Ah, discade. Bon, tu fous la max hein, si ça fait ça. Bon, non, il y a un niveau où se foutre de notre gueule, ça peut être toléré quoi. Oui, non, ça c'est clair.
Ça, c'est pas un demi-tour ok, ça, hein. C'est pas un demi-tour ok, hein, moi je dirais. Mais franchement, de ligne jaune. Hein. Et mettez-vous sur le côté. On va procéder à un contrôle. Et descendez du véhicule, s'il vous plaît. Veuillez descendre de votre véhicule, s'il vous plaît. C'est combien le franchissement du véhicule? Si, si, si. Veuillez descendre de votre véhicule. Ah, nickel. Et bonsoir, venez sur le trottoir, ce sera moins dangereux. Oui. Et bonsoir, bonsoir. Attends, je cherche... Ouais, chercher. Ouais. Je vais prendre votre permis de courir, s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Attendez juste, attendez une poche. Allez chercher. Ouais. Non-respect de la signalisation horizontale ou verticale. Voilà. Ah mince, je voulais, je voulais rendre trop vite. Ah, parfait. Nickel, merci. Monsieur Joseph Ouflin. Oui, c'est vrai, j'ai fait un... 12 points sur son permis de conduire. Ah bah, son non-respect de la signalisation, c'est une amende de $200 et de moins 2 points sur le permis. Oh mince. Aïe aïe. Quoi, vous étiez pressé de repartir dans l'autre sens, monsieur Ouflin? Oui, je voulais aller dans l'autre sens. Et pourquoi pas attendre de faire un demi-tour correct ou passer utiliser le parking, les parkings qui sont... Oui, j'aurais pu faire ça. Ah, oui, la prochaine fois, je ferais ça. Ah, c'est bien pensé. Du coup, je vais vous mettre l'amende de $200. Non, c'est pas ça que je vais faire. Hop. $200. Et 2 points, vous m'avez dit, capitaine. Ouais, c'est ça. Et retrait de 2 points. Ah. Bon, faites attention sur la route, hein. Et c'est combien de temps pour reprendre des points? Je n'ai aucune idée fonctionnent les points. Je crois que c'est un stage auprès de la mairie. Ah bon? Oui, ouais. Faut contacter la mairie. Okay. Quelqu'un pour aller au vent à la place. Ah, ça marche. Et disquette, on peut y aller. Et disquette. Et bah parfait, faites attention à vous. Oui, faites attention à vous. Et bonne soirée, monsieur. C'est la première fois que je vois lui. Lui, il est dans le top des personnes qui me font le plus de peine. Le man a 70 balais. Hop, contrôle. Ah, ma frontière, c'est où ça déjà? Putain, j'en mets tellement souvent que... Adam 26, on est juste à côté du quartier Manoir, on va aller jeter un oeil. Hein. Allez, disquette. Je mets tellement souvent des amendes routières que je sais pas où est-ce qu'on les met. On est dans un monde de contravention, mais du coup, oui, c'est... Mais enfin, bien planqué quoi. Je me souviens du nom, mais je ne sais pas où c'est quoi. Amende routière. Ah, amende routière. Non, c'est pas ça. C'est amende contravention. C'est attends. C'est bon, j'ai trouvé. Waouh, c'est terrible. Il est fort. C'était quoi du coup l'intitulé de ce que vous avez mis? Non-respect de la signalisation horizontale ou verticale. Nickel. Je sais même pas que ça existait. Eh si. Code pénal, c'est très important de le connaître, évidemment. De l'avoir sur soi. C'est ça. Je savais que c'était pas bien, quoi, ce qu'il faisait. C'était déjà suffisant. Bah, c'est pas du tout le genre de choses que je fais pour faire ça, mais c'est plus ça. Putain, les gens, ils courent au milieu de la route, là. Ouais, je vois ça, ouais. Vous voulez savoir qui c'est qui a récupéré un chewing-gum dans une poubelle, pissé devant les SMS et s'est essuyé dans son t-shirt parce qu'il s'était pissé sur les mains? John Rockford? Non. Ah, vas-y, dis. Monsieur Ezekiel Fordieu. Oh, c'est juste ça, là, ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte de quoi. Oh, le bénis, vite. Et Adam 10-29, monsieur Ouflin a demandé pour... Non-respect de la signalisation horizontale et verticale et à direction BMW. À
J'ai oublié le 10 de paix. Eh oui, terrible. Ah bah super, hein. Ça oublie le terrain. J'ai passé faire 2-3 semaines que j'ai pas fait de terrain à fond. Ouais. Et bah si je peux dire une chose, c'est que ça m'avait pas manqué. Le fait est que je suis... C'est terrible, hein, mais à mon époque, on a enchaîné deux capitaines qui étaient détectives, et c'est moi qui donne plus de largesse au bureau d'enquête que... Et ils donnaient pas de largesse ou... Ah, ils donnaient rien. Ils avaient rien du tout, les détectives à l'époque. Y'a même pas les, genre, les détectives qui allaient pas d'eux-mêmes, c'est, on leur laissait pas de place, quoi. Non, parce qu'il fallait bosser sur le terrain. S'occuper de moi. Oula. Alors qu'à l'époque, on était 20. Ah ouais. Oui. Et bonsoir. 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 Une réparation, s'il vous plaît. Ok. Vous seriez quoi si vous seriez un cake? Hein? Non, parce que j'ai demandé au gouverneur, et lui, il serait un fudge cake. Non, oublie de... Un quoi? C'est un cake au chocolat. Moi, ce serait... un cake au... Un cake au thon. Un cake au thon? Ouais, c'est trop bon, le cake au thon. Ça va, je vais faire. Et non, ce serait la fraise. Ah, pas loin, moi c'est framboise. Bon, je reprends votre voiture. Merci. Oui. Bah voilà, et la preuve, tu vois, il y a des villes qui ont pas vu. Hop là. La disquette. Bah oui, du coup, oui. Ah oui, c'est dur. Bah oui. Oh, je viens de voir les trois amendes que se sont pris les Vagos pour les subs, c'est terrible. T'as vraiment Pages qui s'est pris braquage sup et complicité, 1520 minutes. T'as Ayen Tsumi qui s'est pris juste la complicité, donc 7 minutes 30 de garde à vue et $350. Et j'espère bien. Et Rodriguez qui s'est pris du coup 1430 minutes parce qu'il est en récidive. Bravo. Au Bénis, je sais pas, globalement, apparemment, ça s'est bien passé. De ce qu'a dit de la Consentos et de ce qu'a dit 17, c'est réglé sans problème. Il y a 17 qui ont envoyé un SMS pour s'excuser des bordels, je dis, mais t'y es pour rien, c'est eux qui sont cons. Ça marche bien, oui, c'est. Oui, non, c'est clair. Effectivement, si, mais. Ah bah, c'est ce qu'il a regardé, hein. Si vous pouvez se mêler de ce qu'il regarde. Ah, ce serait beau, ce serait beau. Mais heureusement, ils sont là pour défendre l'honneur de la criminalité. Et bonsoir. Un cri pour la rue. Ah, j'ai crié pour la rue. Ah. Oh. 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 Ah, c'est pour moi ça. Alors, attends, faut se décaler, ouais. Du miel, c'est fait. Pas 17. Quoi? Ça va 17. Merci. Oui, ça va. Oh, il faut que je vous montre, je vous envoie une photo. Que je la retrouve. Hop. Comment ça, mon recto? C'était. Ouais, elle trop jolie la photo. Ça ferait une super pochette pour un, pour une musique. Vous avez vu comment il est stylé, mon bateau? Effectivement. C'est vraiment un bourge, t'as un bateau. C'est mon bateau, ouais. Ah, incroyable, mais en fait, on est d'accord que normalement à l'arrière, là, t'as une piscine en plus, non? C'est quoi? Bah, l'espèce d'esplanade là, c'est pas un truc qui s'ouvre, normalement t'as une piscine. Alors, vu la taille du bateau, non, non, c'est pas une piscine. Une bateau joueur à la limite, c'est le bateau. Ouais, une bateau joueur, là, c'est un bateau quoi. La dame 26 et 17, on est au Belize. La 10-4 gère. Les futurs possibles ont déjà raison. Mais oui, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Oui. J'étais là et là, j'étais. Ah non, on m'a dit j'étais pas là. Rose. Effectivement. Comme toi. Ou presque. Putain, mais ça va un masse sur Raynoud, hein. Quel enfer. La disquette. Et c'est à nous. Ah, courage pour l'avoir, hein, vraiment. Eh, bonne soirée. Merci beaucoup, vous aussi. Merci.
Il y a quoi comme points de drogue qui n'ont pas été pris? J'ai 46 sur Vinewood, mais il y a plusieurs points sur Vinewood et sinon il y a point Y. Bah vas-y, on va dire qu'on va point Y. Adam 26, on va sur le point devant au-dessus du point Y. C'est pas tout à fait point Y, mais. Ouais, c'est sur la montée. Du coup, on monte sur Vinewood. Je vais regarder où 46 amis sont PAT. Comme ça, on sait que c'est pas celui-là qu'il faut aller. C'est qui sont PAT, ok, on va pas sur celui-là du coup. En vrai, ouais, du coup, faut aller un peu plus à l'est. Je crois que c'était quelque part par là. Ah! C'est vrai que ça vient devant moi. Franchement, s'il y a des gens qui. On est en train de les contrôler pour de la vente de drogue et ils en profitent pour vendre à quelqu'un qui passe juste à côté d'eux. Alors que la récidive de flag. Hein. Ah bah oui. Ça prend 3 fois l'amende, quoi. Et oui, ils se prennent 4500 balles d'amende. Plus 30 minutes de JAV. C'est ça. Limite, j'attends qu'il le fasse une autre une fois de plus et municipal. Ah oh ouais, comme ça t'as pas de faire chier. C'est bon qu'il t'arrête, hein, mais vraiment, des fois, c'est un enfer. Ah, 10-4, courage. Demandez-lui s'il trouve ça drôle de donner l'adrénaline. S'il ressent l'adrénaline. Ah, oh, ça revend loin. Si vous voulez, capitaine, on peut essayer d'aller se mettre dans les villas, trouver un point où on a un visuel. Ou alors, on va de point en point avec les gyros. Pardon, je parlais dans la barre, mais je fais pas attention. On peut faire ça. Là, j'attends de voir où c'est le prochain point. Le problème d'aller dans les villas, c'est qu'il y a honnêtement, vu où est-ce qu'ils vendent là, je vois pas un endroit où on a une vraie visu depuis les villas. C'est pas faux. Mais je sens qu'on va faire des zigzags entre les points et qu'à un moment, sans créer gare, je vais t'abandonner sur un côté. Comme ça, les gens qui nous font faire des zigzags, bah hop, bam, ils vont se faire choper en flag et puis voilà. C'est ça. Un 46 va se baisser des quais fendus à manger pour agrandir une vente stupéfiante. La disquette. Tellement il peut être amendé pour chose dégueulasse en public. C'est vrai. Ah, pour saloperie devant le public. Il va épicer devant le SMS. Ouais. Dégradation de bien public. Oh bah oui, voilà, nickel. Voilà. Effectivement. Attendez, je passe. Ok, c'est bon. Je suis le capitaine. Effectivement, c'est moi. Ça va où? Corse. Oh! Le Corse, je déteste. Pareil, en fait, le Corse, ça, le temps que tu y ailles, ça a déjà fini. Y'a déjà quelqu'un en Corse? 10-5. Y'a 10-4. On a vraiment 80 000 de la peine là. Noir de vol, c'est
Enfin, je viens de me rappeler d'une fois où il y avait une fusillade avec la main noire ici. C'était un bordel sans nom. On sait pas pourquoi juste il s'était mis à tirer et du coup il s'était entrefusillé avec des flics. D'accord. C'était la main noire, hein. Ils étaient tous cons. Vous en avez connu des intelligents. Hmm? Vous en avez connu qui étaient intelligents. De la main noire? Absolument pas. Des criminels en général? Oui, on a, oui. Non mais c'est en disant que je me suis rendu compte que oui. Il y en a qui sont intelligents, ils sont tous dangereux, mais ils sont un peu intelligents. Oh la populace, putain! Oh, j'aimerais vendre de la drogue là. Comment ça, capitaine? Ah, si je voulais vendre de la drogue, là ce serait bien. Oui, c'est ça. Et surtout la thune que tu te ferais. Après, qui vous dit qu'ils sont achetés, je sais pas. Hein. Hey, on va être traîné sur Wayne. Il y a Murphy, c'est un peu un rappel alors pour conduite contre son. Il est discret. Non, c'est rigolo, j'ai l'impression qu'on chope tous les corbeaux en train de tourner ce soir. C'est étonnant ça. Oui, autour de Wayne en plus. Et d'Eclipse. Non, moi ce qui m'étonne, c'est qu'on les a déjà vu vendre sur Wayne Wood et Eclipse et Shinzen. Non. Enfin, moi jamais en tout cas. Bah, il pète la PS1 fois 88. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En baillant, j'ai perdu une corde vocale. Ça, on avait entendu. Ah non, mais vraiment, en baillant, j'ai. Forcé la corde vocale. En baillant, j'ai perdu une corde vocale. C'est une des choses les plus tristes que j'ai entendues. C'est hier, et j'ai l'impression qu'il a pris un petit peu moins, il devait à 23 passer officiellement mieux. Ouais, je comprends. Mais c'est pour ça, moi je veux qu'on le promouve bientôt, franchement. Oui, juste on lui conseille de pas partir. Si jamais vous voulez une info de fou, ce Fischer vend de la drogue parce que, je cite, il veut nous faire chier. Bon bah c'est la justification qu'il y a. Bah du coup, autant lui foutre la max dès qu'il fait un truc, hein. Je ne m'attends derrière, mais je suis comme ça. Je crois qu'il est en garde à vue pour du sac de vente actuellement. Ah, c'est pas fou. Quelqu'un pour s'occuper de Monsieur Pagès à l'accueil? J'y vais. Non, vraiment, je pleure. Je vais pouvoir déposer toute ma drogue. Pourquoi? Bravo, mon revendeur. Non, bah, parce que vraiment, 4... 88 qui est juste à chaque fois. Ah, 10-4! C'est super triste. 10-4! Ah, je vais te manger. Qui planète, ça pique. Ah, ça c'est con. Ça va où? Ça va où? Au Quartz. Courage, c'est au Quartz. Hein. On va aller vers la plage. Ouais. C'est marrant, depuis décrit qu'on a passé sur l'aéroport, il n'y a plus trop de ventes là-bas. Il y a littéralement... Est-ce qu'il y a des re-eus de la vente à l'aéroport à un seul instant? Oui, il y en a eu un peu. Parce que j'en ai aucun souvenir. Oui. Vous avez Madame Rodriguez dans celle-là? Elle s'en dort combien de temps? Oui, t'as appelé. Bah, ils ont appelé à la queue pour ça, ouais. Ah, mais je l'aurais déjà fait. Disquette. Allez, relou. Là, c'est pas les plus malins. Pagès, non, c'est clairement pas le plus malin. Ouais, clairement. Je crois que j'ai compris la stratégie de DLCS. C'est-à-dire? Entouré de gens moins intelligents que lui, comme ça, ils pensent pas à le renverser. C'est littéralement la stratégie de Robbie Reaper, je pense aussi. Aussi. En vrai, Reaper, je suis... Ouais, si, c'est un gros sec, donc c'est... Non, franchement. C'est encore pire. C'est encore plus que DLCS à ce niveau-là. Ah, madame. Oh, c'est mon ancien résidence. Ah, c'est moi aussi, c'est mon ancien résidence. Mais franchement, oui, hein, clairement, Reaper, c'est mille fois plus un gourou que DLCS. Hein.
d'excès, c'est un calculateur. Parce que typiquement, c'est con. Mais je pense que des gens genre Zaketa, je pense pas qu'il soit foncièrement con. Non, il Il fait le débile, mais je pense que s'il veut, il peut être intelligent. Pareil, Tsumi, je pense pas. Je pense qu'il est... c'est un débile intelligent. Ouais, voilà. Tsumi et Bonsomi, elles m'ont pas l'air spécialement connes non plus. Mais ça, en fait, c'est juste pas Gessin. Ouais, mais il en tire une sacrée couche. C'est clair. Alors que, à l'inverse, chez les corbeaux, Murphy, il est. Oh, mais. Vous avez vu, on est passé à côté d'une affiche de moi. Pardon, je vous ai coupé, mais. Non, non, attends, c'est plus intéressant que ce que j'ai en train de raconter. Elle est où? Je veux... Ils sont un peu plus loin. Après le truc de sport. À la gauche. Allez, derrière le banc. Oh, mais qu'il est beau! Ah, c'est beau, les détectives qui travaillent. Hein. Putain, c'est rare qu'on le voit, hein, ça. Pardon? Ah, oui, non, c'est normal. De... Si ça se voit pas, c'est. Bah, oui, c'est normal. Et oui, oui. Et. C'est un peu plus. C'est pas du tout ça parce que. Jamais. J'ai énormément de respect pour le travail de capitaine. Comment on dit, de détective. Vous avez failli dire capitaine. Non, mais j'ai énormément de respect pour le travail de capitaine. C'est nécessaire. Faut être fier de son boulot. Non, mais c'est bien. Qui d'autre que soi-même pour se lancer des fleurs. C'est vrai. En vrai, faut que ce soit les autres qui jettent des fleurs. C'est plus drôle. Oui. Ah, mon dos. Mon dos est brisé. Pas trop loin, s'il te plaît. Sinon, il va encore perdre son corps vocal. Ouais. Putain, j'ai baillé aussi, j'ai eu peur de perdre ma corde vocale. Ma corde vocale, je n'en ai qu'une. Et bah, tout le monde s'est donné le mot avant 22h30, hein, c'est pas possible. Bon, hier c'était après 23h30, donc vraiment, on a rien fait de la soirée. Au moment où je dis tiens, je vais peut-être prendre une fin de service vu que c'est calme, boum, toutes les supérettes. T'as une comète. Ça serait un peu trop. J'ai déjà trop vécu. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé le véhicule que m'a légué 99. Comment ça, vous l'avez pas trouvé? Bah, il m'a légué un véhicule, mais je sais pas. D'accord. Il a pas laissé d'indication. Je dois le trouver, c'est les. C'est ça. Le jeu de piste, c'est chercher dans tous les garages publics possibles. Moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit dans le nord. Ouais. Bah, 47, tu t'entends que ce que t'as dit en garde, c'est normal, hein. Ouais, t'inquiète. Mais il y a pas mal de trucs à surveiller. Là, j'ai déjà vérifié Choumash. J'ai vérifié quelques trucs en ville. Mais je vais aller voir la fourrière. Oh, le gros 6-6 jaune. Ouais, ça fait juste unicorn. Ouais. Il est infernal. Je pars pure vérification. Putain, on a une interceptor en fourrière, what the fuck. Ah, mais c'est ça la 06 que. Ouais. Bah, tu veux pas la récupérer là? C'est ce que j'allais dire. Ce que j'ai dit. Vas-y. Ah, peut-être que j'aurai ma ceinture, ça sera plus facile. Et hop là, la claque. Effectivement, félicitations. 88, mais toi en plus d'être. Et LSPD 06 retrouvé à la fourrière. Elle est en bon état la 06. J'ai vu la meuf qui prend en deux parties, elle est dans un buisson, elle part, elle est du côté S. Thank you.
les affaires reprennent. Bah, Dame 26, on va aller sur le dernier braquage. C'est parti. Mais ah merde, je pensais avoir fait le plein, j'ai fait le plein. Bon, pas grave, j'ai le 3 quarts d'essence. Quoique, on le fera au passage. On va le faire. On peut le faire juste au passage là. Putain, on a tous les deux fait le plein à la même bagnole, on est con. Oui. Adam, si tu fais un accident, tu te brilles, on est sur la soupe. Allez, 86, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 dollars, parfait. Bravo, vous avez compté jusqu'à 14, capitaine. Ouais. Tu sais que j'ai même compté jusqu'à 26. Ah ouais? Ouais. Je vous crois sur parole, hein, sinon ça va être long. Mais bien, je n'aurais eu aucune seconde d'hésitation avant de te prouver que je sais compter jusqu'à 26. Je n'aime pas compte de moi. J'ai envie de passer une soirée dans un bus. De passer une soirée quoi? Dans un bus. De 10-31 sur un véhicule tout terrain, je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un vient me rejoindre. Trophy truck. Oula, je pensais que ça passait. Mais par contre, c'est moi ou les maux de tête sont terribles ce soir? Les maux de tête sont, ouais, c'est terrible. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est beau, on va twerker un peu. Hein. Oui. Je déteste ces gros trucs off-road. Moi aussi. Oh, ça va tellement aller à Murrieta. Mais évidemment. On va descendre. Ça, je vais. Allez, bonne soirée. Et désolé si je provoque un malheur, du coup. C'est quoi? Je crois. Si je provoque un malheur. Parce que à chaque fois ah que oui. Tu penses à service, on est très. Tout va bien se passer, normalement. Non, mais j'ai la fâcheuse tendance de provoquer des braquages de bijouterie quand je prends les fins de service. Alors tout devrait bien se passer, j'espère. Si jamais on a un braquage de bijouterie, tu seras interdit de prendre ta fin de service jusqu'à la fin de tes jours. Ah ouais, ça va être compliqué donc. Mais ça trace sa mère hein. Mais ça j'ai. Ouais. Ça a l'air incroyable comme véhicule. Mais c'est si laid. Par contre, c'est d'une laideur. C'est genre. C'est ce que j'aimerais, moi, capitaine. Vas-y, dis. Un outlaw de police. Oh ouais, non mais oui, un outlaw de police. Oh ouais. Oh pour ces envies sur enculé avec leur véhicule tourbien. Oh ça part barrage, ça part barrage, ça part barrage, ça part barrage, ça part barrage. Pas faire les fous, même si je connais bien le trajet, c'est vraiment pas le moment de se tuer. C'est jamais le moment de se tuer, capitaine, mais je suis plutôt d'accord. Et du coup, c'est pas spécial. En plus, ils sont deux à l'intérieur, oh là là. Tranquille. C'est tout doux, c'est tout amorti. Tu veux pas mourir, capitaine. Mais non, regarde. L'important, c'est de garder confiance en soi. De toute façon, on a perdu de visuel. Visuel au barrage, ça va aller vers le parc. Alors là, hop.
Et repris du visuel. Allez, je donne 15 minutes avant le braquage de sup, avant le braquage de bige. Le chronomètre est... Nickel. Il y a 10-4 et Dame 6 en dessous de juste quelqu'un qui va rejoindre. Oh, t'as vu ce qu'il a fait? Et du coup on est dans les canaux direction sud. Et 10-5 ça reprend nord en dessous de la maison de Sophie. On passe sous populaire, toujours direction nord. Ça prend le... Est sous de nord. Je me pose des questions. Quel genre de questions, capitaine? Je vais essayer de prévoir les trajets, ok? Ok. À la sortie du tunnel, il va continuer sur le pont, il va prendre à gauche juste derrière la tour. Il va passer sous la freeway en faisant un tour et puis il va prendre un petit saut qui lui permet de remonter juste après sur la freeway. Oh, je suis deg. Je suis deg, il fait pas le bon tour, non. Et on prend direction sud, sortie du tunnel. Apparemment, ça chauffe avec les chibonguinis, ils sont apparemment attaqués, donc restez focus. C'est quoi le message? C'est qu'il y a des braquages super-héros. Bah, ils sont passés où? Bah, je sais pas, je vais téléphoner. On était sur le corps, on a chopé Madame Johnson et Monsieur Bessie qui allaient partir en trombe, et ils nous ont dit que, apparemment, Monsieur Johnson était peut-être dans la merde, donc voilà. Mais. Il y a 10 qui a du perte de visuel pour Adam 26. Pardon? A priori, les civils devraient pas être mis en danger dans ce genre de situation. Oh non, là j'ai été mystifié. Ouais, 10-4, si jamais ils viennent de partir, il y avait tout l'armada, ouais, voilà. Et du coup, c'est genre à 5 véhicules. 10-4. Comme véhicule, vous avez perdu Adam 26. Une sorte de gros truc, genre trophy truck ou truc genre pêche. Sub mirror sud. Et c'était la 10-4, c'était au niveau de la sub mirror sud qu'on a perdu. C'est parti en gros d'après. 10, j'en ai aucune idée, ils étaient devant moi et ils ont disparu. Genre, ils étaient devant moi, ils ont pris un virage, mais j'étais juste derrière eux et je ne les ai plus vus d'un coup. Très bizarre. C'est quoi ton véhicule? Quel barrage? Un trophy truck, un truc énorme. 19. Ça a dû en prendre en offrande d'une manière ou d'une autre que j'ai pas prévu, mais j'ai revérifié de côté, c'était pas là. Oui. Bon retour. Je déteste pas tireur et déserte. Plusieurs tirs. Ouais, on se dirige aussi à Dame 26. Vous jetez des coups d'œil de loin, vous vérifiez ce que c'est, vous restez, vous entourez la zone. Vérifiez aussi les armes qu'il y a, si visiblement c'est que du 9mm ou des trucs dans le genre, on s'en fout, on se laisse barrer après, si on voit des trucs genre fusil à pompe ou plus. Est-ce que demande de Wizard de prévenir de l'hôpitalisation? Hein? Ouais, je sais pas, ça m'a dit ça. Ouais, non, on va quand même sur la zone. C'est quoi le véhicule rouge qui t'a dit ça? Cavalcade, je crois. Ça tire encore. Hein. Et ouais, est-ce que vous voulez que je prévienne le visuel pour leur tirer? Ouais, oui, préviens le visuel. Genre familial rouge et noir qui est en train de se faire tirer dessus par un Freighter Green. Ouais, ça se tire dessus entre Chinsey et les Corbeaux là. Dans la rue piétonne. Nice, que je vois des gens. Vous encadrez la zone.
Le plus d'unités possible se ramène sur place, vous encadrez la zone, vous assurez qu'il n'y ait pas de civils qui soit pris. N'hésitez pas à garder un coup d'œil sur la situation. On a le véhicule qui se faisait tirer dessus qui est en train de partir ouest. Ouais, 10-4, je vérifie, on le voit se reculer. Ah, il y a des gens à terre. 10-4, c'est. Je crois que il y a des gens qui sont partis à pied aussi dans la rue. Dame 26, on est à côté d'une personne à terre. On va faire un premier soin. Elle est pour LSMS. Andreas, ah oui, putain, je suis con. Y'a un traiteur ici avec un peu crevé. Pas de soucis, merci beaucoup. Ah, du coup, SPD pour LSMS. Ah, c'est bon, ça a déjà été prévenu. Elle dit 4 trucs. Ça se fait récupérer, ça part. Hein. On laisse partir les gens, capitaine. Vous essayez de voir les armes qu'ils ont. S'ils ont que des 9 mm, on s'en bat les couilles. S'ils ont plusieurs fusils à pompe ou autre, on chope. C'était monsieur Napier qui partait. Ah, disquette. Putain, en vrai, si on peut les fouiller, ça nous arrange, je pense, mais ouais. Ah, ils sont repartis chez eux. Pour info, j'ai envoyé un message où pardon, pour dire faire une flèche pour visiter la zone. Ah, disquette. Merci. Merci. Vous dites si jamais il y a besoin d'une escorte et tout, on est sur le bas pour pouvoir vous sécuriser sans problème. Il n'y a qu'une personne au sol ? Ouais, visiblement. Et du coup, il y a monsieur Cassidy, monsieur Napier, monsieur Johnson, qui sont tous repartis en véhicule, le Sretter gris, ils avaient des armes. Ouais, pas étonnant. Oui. Vous avez eu plusieurs beepers, le SMS ou pas ? On en a eu un. On enfile nos gilets et on arrive. Bon, si c'est pas. Disquette. Et... il est pas fermé, le weasel ? Si. Johnson, je crois, abandonné, je vais regarder. Non, disquette. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres compresses ou tout dans le genre. Ouais. On a un monsieur qui est sur la zone. C'est monsieur Fordieu qui est à terre, visiblement. Véhicule est fermé, vous voulez que j'appelle le pénis ou pas? Oui, disquette, c'est sur place, hein, ça s'embarque, mais attends un peu que les médecins soient passés avant d'appeler le pénis. Ouais, disquette. Si vous êtes pied à terre et vous n'êtes pas en train d'aider quelqu'un, gardez l'arme en main au cas où que ça parte en couille. Eh bien reçu, on est juste à côté, tout va bien pour l'instant. Le parking multicolore, apparemment pour récupérer sa voiture, on lui a dit de faire le grand tour, puisqu'apparemment sa voiture est sur play. Alors nous avons deux personnes qui viennent de se présenter avec une du LSMS avec des blessures par balle. Monsieur Fischer. Vous voulez venir faire un petit coucou également. Merci de l'information. Je suppose que, pour info, le LSMS vient de nous prévenir qu'il y avait deux personnes qui se présentaient avec des blessures par balle dans le hall du LSMS. Si quelqu'un peut au moins aller voir qui c'est. Eh, disquette, merci. Disquette, et on a touché une scène à leur quartier. Eh, disquette. Vous voulez qu'on fasse quoi sur place avec les personnes, on les fouille ou... Non, il n'y a pas besoin de fouiller, juste un contrôle pour s'assurer. Enfin, voir qui c'est quoi, pour qu'on puisse se faire une idée. Si vous voulez leur poser des questions, faites-le, mais s'ils répondent pas, on s'en bat les couilles quoi. Ça leur a tiré dessus au 9 mm. Ouais, disquette. Et je lui ai dit que son gars, on l'avait repris le chercheur. Parfait. Ouais, par contre, si ça commence à ouvrir les feux à côté des piétons comme ça va pas le faire. Hein. C'est
c'est a priori Schnitzen qui a ouvert le feu sur les corbeaux. Bah ouais, parce que Madame Johnson apparemment disait que ça chauffait pour son frère, donc ouais. Après, peu importe hein, qui attire en premier, juste pour pas que ça tire à cet endroit-là. Ah, oui, oui, oui. Si jamais au niveau du LSMS, on a vu le véhicule qui s'est fait, qui est parti de la scène. Ouais, 10-4. Et bonsoir. Bonsoir. Le monsieur est là. Bonsoir. Et bonsoir. Y'a qu'un blessé sur place ? Oui. Ok. De ce qu'on en sait en tout cas, y'a que lui. Je vais retourner vite fait à l'hôpital, Earl, je te laisse en occuper. Ouais. Ok, à tout de suite. Bon courage, le LSPT. Vous aussi surtout. Ah, les médecins viennent d'embarquer Monsieur Fordu et repartent. Vous pouvez contacter le LSMS pour les véhicules. Je sais pas pourquoi, oui. Ouais, quelque part c'est un peu le SMS des voitures. Exactement. On me fait chier à dire oh là là, mais ma voiture c'est ma titine, c'est un peu comme mon enfant. Oui, c'est ça. Mais quand ça parle de soins et de lui payer une éducation, là y'a plus personne. Bah oui, ça a des besoins comme tout. Vous donnez des noms à vos voitures, vous ? Bien sûr que non. Mais j'ai eu peur. Faut vraiment être le dernier des beaufs, vous appelez Samuel Coleman pour faire ça. Ou les deux sont liés. Ou Delilah cause apparemment, contre les du coup, les oui, c'est vrai. Monsieur Murphy qui s'est fait tirer par balle dessus. Ouais, disquette. Ça repart aussi. Ok, disquette. C'est vous qui êtes déjà au LSMS ? Oui, on a Monsieur Ripper, Madame Hope et le vieux. Je sais pas comment il s'appelle. Pour information, le LSMS, la personne que vous avez récupérée sur place, est en état d'arrestation. J'ai dit au LSMS que Monsieur Fordieu du coup est en état d'arrestation, c'est pas vraiment le cas, vous le récupérez, vous le fouillez, vous l'amendez pas, juste vous récupérez ce qu'il y a sur lui d'illégal. Et bonsoir. Je sais pas si c'est moi mais j'arrive pas à accéder au coffre. Oh là, attention. Attendez, attention, ouais. Excuse me. Disquette, quelle rue piétonne ? Bah celle qui est juste à côté là. Non mais je confirme, capitaine, je crois vraiment qu'il y a peut-être un problème. Ouais, on est d'accord. Juste pour votre information, on n'avait pas vu, mais il y a un autre véhicule aussi là-bas à aller récupérer. Ah bah... On refait un appel ? Je parlais pas de radio. Non, je disais... Si... Ouais, ma radio a déconné. Je disais, s'il y a quelqu'un qui s'ennuie, il y a un deuxième véhicule à dépanner. Le bénis est prévenu. Je sais pas si c'est moi, mais je vois la voiture. Oui. La voiture est lancée, là.
Quel bordel. Attends, je suis en train de voir, j'ai peut-être quelqu'un qui va venir, mais je suis pas sûr que c'est... Mais ouais, je pense que ça a bien tapé sur le coffre, hein, donc c'est pour ça qu'on sait pas y accéder. Ouais, je pense aussi. Du coup, il y a quelqu'un qui veut venir récupérer l'autre véhicule? Bah, moi, c'est ce que j'essaie d'avoir comme info. Pardon. Ah! Attendez, je reviens. Ça perd fait des faciles tous les jours son job quand même. Si jamais il y a tous une scène au Bénin, ils sont un peu crevés et des petits quêtes de la vie. Ouais, 10-4. Ah, je pense que tout ce qu'ils avaient ça a été déposé, ouais. Du coup, quelqu'un d'autre arrive, vous savez? Attendez, je vais l'appeler parce que je. Okay. C'est la question que j'essaye de répondre aussi, mais que. Ah, c'est compliqué, ils répondent pas. Ouais, c'est ça quoi. Attendez, parce que la meuf bizarre, c'est Jackie, non, c'est pas ça. C'est pas super sympa pour vos collègues. Elle est plus là, la stripteaseuse, elle est plus là, lui, je sais plus qui c'est. Le kidnappeur, je sais plus qui c'est. Ah, le voilà. Le Rital. Nickel. Ouais, faut pas poser la question, ils ont tous des surnoms. Ah, je pourrais pas. J'ai du mal avec les surnoms. Ah, ouais. Je jure que c'est pas moi qui. J'ai rien fait, capitaine. Prenez tout. Mais. Prenez-moi l'argent. Mais non, putain, j'ai rien fait. Regarde juste ouais. L'arme à la main au cas où il se pose des dingueries. Oh, je me doute, c'est une blague. Vous savez, regardez, vous êtes un policier blanc, et je suis un. C'est vrai, vous êtes un homme noir. Vous êtes un homme noir, c'est vrai que ça pourrait très très vite mal tourner cette histoire. Oui. Ouais, c'est vite du Bénise, tu viens qu'un flatbed ou je fais un aller-retour? Non, mais c'est bon, ça va, j'ai compris, je fais l'aller-retour, ça va. Merci, yo. Eh ben, on vous accompagne. Voilà. Ça marche. Apparemment, il y a une troisième personne qui se rend au LSMS qui a prévenu les médecins en demandant s'il pouvait passer parce qu'il était blessé par balle. Je vais essayer de voir qui c'est. Petite question par contre, monsieur Murphy, est-ce qu'on fouille aussi ou pas? Dis ça, qu'on fouille juste. Fort Dieu. 10-4. Et du coup, 46, le gars qu'on accompagne, il va revenir chercher le véhicule juste après. Par contre, j'ai un peu peur que ça parte en couille dans le hall GLSMS parce qu'on a quand même les corbeaux qui sont sur place. Je sais pas si c'est quelque chose chez vous ou pas. 10-4, on arrive juste après avec votre meuf dès qu'on a déposé un véhicule au Bénin. Il y a un mec de chez Nissan au LSMS. C'est un mec de chez Nissan qui a appelé pour aller au LSMS. Je pense, parce qu'apparemment ils ont pas plus de blessés de ce que M. Ripper me dit. Ah, c'est rigolo, enfin rigolo, pas tant que ça. Il y a un an de ça, à peu près. Franchement, ouais, pile un an de ça. Il y a eu une guerre entre la Main Noire et Kang Pae. Ouais, c'était... Ouais, justement, que j'arrive. Ah, voilà. Donc, le groupe avec... un groupe avec Cassidy contre un groupe habillé en rouge. Et la... Oh, pardon. La plus grosse fusillade avait eu lieu exactement au même endroit. D'accord. Ce n'est pas une vanne. Vraiment exactement au même endroit. Ta radio est vraiment pas forte dans la Moi, je pense que je parle pas fort, mais du coup, il y a un peu sur O'Connor, j'ai pas amendé le... Enfin, j'ai amendé les personnes. En plus, il y avait un des groupes qui vivait sur Venom déjà à l'époque. C'était pour la dernière fois. Ah, 10-4. Et c'est pas Connor, c'est Connor.
C'est une personne. Connard ? Oui, Rosie O'Connor. Ah ! Bah logiquement, un connard aussi, c'est une personne, hein, capitaine. Hein. Certes, mais c'est beaucoup moins un nom. Et merci bien, un agent vous attend sur place avec l'autre véhicule, courage ! Et du coup, Nicole Croft va bien sauver. Au niveau aussi ? Non, ouais, l'SMS. Adèle 26, direction l'SMS. Hop là. Hop les. Il y a toute la bande de Jin Biburn là qui sont au bout. Jin Biburn. Eh, Nisket. J'aime beaucoup. Si t'aimes les quoi, lieutenant? Biburn. Ah ouais, lieutenant? Nisket. Ouais, Jin Sensei Biburn, tout à fait. Ah, c'est vrai que c'est plus simple quand on connaît pas le nom. Eh, bonsoir. Salut Victor, ça va ou quoi? Oh, moi ça va et vous? Non. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ouais, pas de fou, hein. Bon, une fois que c'est pas moi. J'apprécie rarement que mes gars se fassent mitrailler comme des pigeons au milieu des clubs de nuit. Ouais, j'en doute pas. On n'aime pas trop quand il y a des gens qui sont fusillés au milieu de clubs de nuit. Ouais, capte. Vous avez d'autres blessés à part la personne qui est en route et vous trois là? Enfin. On a le Ezekiel, du coup, qui je sais pas trop, les médecins m'ont pas parlé, il y a Albin qui avait pris une balle. Ouais, c'est 29 qui a fait les premiers secours sur Monsieur Fordieu. Ouais, merci Davis, ils sont suffisants quand même. On l'a vu dans la rue piétonne et puis il est rentré au quartier Finsen. Ouais, disquette, nickel. Je pense que, comme vous l'avez dit, on va juste fouiller Monsieur Fordieu au cas où, et on le laissera repartir après avoir saisi s'il y avait des choses illégales sur lui. Ah, ce serait top. Pas de problème, pas de problème. Pas de soucis. Et du coup, début 10h30 sur un trafic truck belge. Bon, vous verrez bien. Vous verrez bien, on est même pas sûr. On partait pas trop pour une fusillade là à la base ce soir. Oui, non, c'était pas le plan. On va pas se mentir, c'était pas le plan. Oh, bah qui voilà. Inspecteur Gadget. Bon, ouais, je sais pas. Lui casser la gueule. Non. Ouais. C'est pas une bonne idée là. Non. À mon avis, c'est. Ouais, c'est lui qui a dû se faire allumer pour qu'il arrête d'abattre Albin, à mon avis. Ouais. Et du coup, c'est Monsieur Napier qui est venu après se faire soigner. Mais faut lui donner un arrêt maladie à votre cadet là, il va pas du tout bien. Oui, c'est terrible. C'est il est en train de mourir là. Hein. Vous inquiétez pas, si vous voulez, j'en ai une autre. Après, tu peux peut-être le garder, ça te fait un petit charme, je dirais. Ça doit être bien pour la radio. Un charme de l'âge de Joseph, quoi, mais. Pourquoi il a. Vous savez quel âge? Moi j'ai 70 ans. Oui. Ah ouais, non, quand même. Je suis pas cet âge là, moi. Super, ouais. Quel âge, 88? Ah, j'ai 32 ans. 60 ans. Ah ouais. 60 ans. Non. J'ai l'impression d'avoir fumé toutes les clubs du capitaine. Ah là, tu t'as roulé 14 gauloises, tu les as toutes accrochées ensemble et tu les as allumées au chalumeau. Pourquoi j'ai une vraie question, et pourtant, je sais que je suis vachement ignorant, mais quand même, pourquoi ça s'appelle des Gauloises? Parce que, à la base, c'est fait la création de ce qui est représenté comme étant les vraies premières cigarettes. Ouais. Ça remonte à une très très vieille époque, et même pas dans le continent, c'est un truc en Europe. Ouais. Et où, bah, du coup, ils roulaient des herbes. À l'époque, c'était des herbes, parce que le tabac, ils n'avaient pas de quoi le faire vraiment. Ils n'avaient pas les moyens de le faire comme on le fait de nos jours, avec énormément de goudron. Bien, ouais, ouais, disquette. Et il le roulait dans des feuilles et ça vient du coup de cette époque, c'est pour ça que ça s'appelait les Gauloises. Ah ouais, je capte. Faites presque de la peine, cadet. Hein. Non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, moi ça va. Moi je trouve que ça pourrait presque te donner un petit côté un peu sexy. Si t'arrives à rajouter. Sexy petit... Si t'arrives à rajouter un petit timbre, un truc comme ça, ça pourrait presque rajouter un petit ça, truc. Vous me mettez à la place, c'est ça. Eh, disquette. Ah ouais, mais en ce moment, quand Yannou et Luchisten, c'est bien l'été. Vous êtes combien dans votre véhicule? On est deux, ils sont deux dans le véhicule a priori. Alors, si vous voulez, j'ai une petite année en plus. On est au niveau de la maison. Éternel au pluriel, éphémère au singulier,
On aime la voir à Noël. Mais pas plus tard qu'en février. C'est hyper fougasse. Qui suis-je? Je suis derrière le baseball. Voilà. Wow. Ça, c'est compliqué là. Le A. On arrive au niveau de 2016. La lettre A? Non, je sais pas. Éternel au pluriel? Je répète. Éternel au pluriel. Le L. La mère au singulier. La lettre L. J'aime la voir à Noël. La lettre L. Non, mais dommage. Pas plus tard qu'en février. Qui suis-je? Sud. De... Éternel au pluriel. Au niveau de l'aéroport, on passe un peu derrière les bâtiments en longeant. Honnêtement, je l'ai pas. J'en ai aucune idée, c'est trop compliqué vos merdes. C'est quoi, singulier? Éphémère au singulier. Entre la maison et l'aéroport. Mais pas plus tard qu'en février. La neige? Exactement. J'ai pas compris pourquoi. C'est juste avec pas plus tard qu'en février, mais j'ai pas compris le éternel et éphémère. La neige éternelle. Oui, la neige éternelle. C'est quoi le rapport avec le pluriel? Ah, je sais pas. Et pourquoi le pluriel? Les neiges éternelles, c'est les neiges des montagnes. Les neiges éternelles. Les neiges éternelles, c'est les neiges des sommets des montagnes. Ah ouais, je vais aller voir un médoc parce qu'on n'a pas de nouvelles ni du HAL ni du S, ça me casse les couilles. Oui, allez-y. Allez-y. Vous êtes là. Et si on réglait ça, capitaine, vous avez pas un machin de box ou? Si, absolument, félicitations. J'ai une idée, Joe. Oui, j'ai une idée, mais je suis pas sûr qu'il accepte, Rogue. Bah pourquoi pas. Bon, je pense que ce serait mieux que ce serait dans un ring de boxe plutôt que dans l'un comme ça. Oui, oui. Après, ouais. C'est pour qu'on a signé, comme ça, c'est encadré et puis voilà. Capitaine, je peux vous parler vite fait? Ouais. Du coup, j'ai parlé avec Reaper. Ouais. Il m'a expliqué un peu ce qui s'est passé. Apparemment, il aurait vu avec Emily dans la soirée, plutôt comme quoi il voulait foutre un coup de pression au Shinsen. Mm-hmm. Et en gros, ils ont pris Monsieur Johnson à part. Genre, mm-hmm. ils l'ont un peu entouré, etc. Sauf que, bah, du coup, à ce moment-là, nous, c'est là où on a vu les Shinsen au Quartz. Et du coup, bah, Monsieur Johnson les a prévenus que ça, c'était la merde. Ils sont descendus. Apparemment, c'est parti à moitié en pit, etc. Monsieur Fordieu, ils ont fait, enfin, les corbeaux ont fait des tirs de sommation. Mm-hmm. Et ben, en fait, ça a répondu avec des tirs sur eux. Et Monsieur Fordieu s'est fait abattre. Ok. Ok, bon, c'est à peu près comme j'aurais pu imaginer que ça s'était passé. Et Nicole, du coup, excusez-moi, c'est bon pour le monsieur? Pour quel monsieur? Bah, ce monsieur, je. Oui, il peut se barrer. Pas de soucis, nous c'est. Et bien, bonne soirée, faites attention. Bonne soirée, bon courage. Ne c'est juste la personne. C'est juste la personne que vous avez ramenée qui était allongée sur place qu'on va devoir fouiller. On va le laisser partir. Pas de soucis. Vous savez si. Et il s'est réveillé. Ok, nickel. Ce soir, c'est dingue. Courage. Bon courage. Ce qui est très fort, c'est qu'elle dit ça alors qu'il y a deux de ses collègues qui discutent en face. Oui, c'est... Je pense que c'est pour ça qu'elle dit ça. Il y a moyen. Ah. Ouais. Oui, d'ailleurs, excusez-moi si je vous dérange. Oui. J'ai une amende à payer. Oui. Supporte-la. Si. Passe devant la bille. Non. Passe dans la bille. Vous allez faire. Et gros, ça, une amende à payer. Vous avez payé pour quoi? Bah, pour l'interrogation. Oui. Interrogatoire là. Et ça prend les escaliers de la bille. Attendez. Vous avez une convocation? Et Carson, oui. Non. Et Discord, on est derrière. Oui, convocation. Okay. Donc j'appelle. Pardon. Allô? Oui, 26, allô? On n'a pas une amende à foutre au Enoflin? Oui, 1000 balles d'enlèvement. Okay, Discord. Et pour. Il y a aussi. Qui c'est qui d'autre qui doit se le prendre? Fordieu qui doit se le prendre aussi. Ouais, bah Fordieu, on verra le temps qu'il se réveille. Enoflin, je vais lui foutre. Oui, non, clairement. Enoflin, ouais, tu peux le foutre maintenant, comme ça c'est fait.
mais... Effectivement, monsieur O'Flynn. Ouais, ouais. Ça m'évitera d'aller. Attends. Mais vous pas. C'est votre amende de 1000 dollars. Il a les 1000. Ah ouais. Ah, vous les avez mis à aise ou pas? Non, pas encore. On va attendre deux. Vous pouvez me les mettre à moi? Et je les prends pour aise. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Ouais, non. Ça rase. La merde. Il est nul, votre système, là. Si quelqu'un paye l'amende, ça marche? Ouais, malheureusement, non. C'est pas aussi simple que ça. Putain. Ça marche pas chez nous, ça. Bah ouais, si tu t'en prends la peine, l'apprends, c'est l'intérêt que ça soit payé, quoi. De ouf. De ouf, de ouf. Après, on va envoyer des mails, je crois. T'es au SMS, bah, alors, non, alors ici. Encore ouais, une fois, on était à pied ici. Comme s'il y avait un médecin qui attendait à rien faire. Mais... Bah alors, en gros... Il est dispo pour soigner son médecin, je crois. On était arrêtés, nous, sur le côté, à pied. Attends, viens. Bon, bah au moins, c'est pas parti en couille, les SMS. Ouais, en fait, c'est passé comment hier avec les bagues, Sobins, toi? Ouf, je m'en casse les couilles. Bah, ça, je me doute. C'est des vagues. Enfin, ça sert à rien de discuter avec eux, de toute façon, ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre, donc. D'accord. Au final, je leur ai juste dit oui, monsieur. J'ai juste dit oui, monsieur Delacruz. Je ne le referai plus. Au revoir. Oh, vilaine fille. Oui, non, mais c'est Delacruz. S'il peut. Je pense qu'il aime trop le son de sa propre voix. Non, mais enfin, genre. Enfin. Enfin, je lui dis, oui, enfin, monsieur Delacruz, quand je parlais à madame Rodriguez, je parlais à madame Rodriguez, pas à vous, en fait. Donc, il est en mode, oui, mais elle fait partie des vagos, donc quand vous parlez à elle, vous parlez à nous, etc. Et genre, à la fin, genre, je lui dis, mais vous savez, monsieur... C'est le premier à nous dire qu'il voulait s'en prendre à Joanne et pas à 07, le flic, donc... Oui, non, mais voilà, enfin, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, oui, mais quand il y a un flic chez vous qui fait n'importe quoi, c'est le SPD qui en prend parce que vous êtes une entité. Je suis en mode, bah non, puisque c'est la personne qui va prendre cher, elle va se faire mettre un pied ou virer ou truc comme ça. C'est pas le SPD qui va se dissoudre parce que quelqu'un fait de la merde. Et à la fin, donc il me dit ça, et à la fin, donc je lui parle, je lui dis, mais vous savez, monsieur Delacruz, je sais qui vous êtes, je sais ce que vous avez fait, enfin, genre, il n'y a plus rien à me prouver. Il me fait. Et il me fait, oui, je sais ce que, enfin, vous savez ce que on m'a fait. J'ai fait, oui, quand je dis vous, c'est les vagos, puisqu'apparemment, vous êtes une entité entière, quand on parle à vous seul. Mais il est infernal. Ils ont pas compris, ils m'ont cassé. Vous voulez du vin? J'ai dit, oui, je ne le referai plus, au revoir. Populaire Nord. Rodriguez n'est même pas venu s'expliquer. Ils sont venus à 5, ils sont venus... Enfin, bref, il n'y avait rien qui allait... Dès que sa mère... parvenir à montrer leur grosse bite, je vois pas ce qu'ils ont fait. Mais... Wow, rien comme d'hab. Ouais, ouais. J'ai quand même envie de vous lire le message que madame Rodriguez m'a envoyé, ouais. Parce que je pense que ça va vous plaire. On arrive. Enfin, 26. Alors, elle m'a dit. Ok pour éclaircir la situation, mais faites pas trop la maline, parce que moi je m'arrêterai pas à tweeter. On est les seuls à défendre votre putain de PDP dans cette ville moisie. Du coup, je lui dis, bah, c'est ça, du coup, je comprends pas. Et elle m'a dit, bah, parce que la photo est choquante, vous postez ça sans contexte, c'est ridicule de vous en prendre à quelqu'un qui a juste manifesté sa surprise, en fait. C'est pas pour rien qu'elle s'est pris un outrage à l'envier, on va dire, on va casser les couilles avec ça. 45 mois, vous voyez ça, il va dire, le capitaine est sur le coup. Ah non, c'est bon, elle m'a cassé les couilles à un point. C'est bon, j'ai autre chose à foutre, quoi. Les vagos qui se veulent le protecteur de l'autre. Comment ça, les vagos défendent notre PDP, on a besoin de personne. Ils sont en train de les avoir fendus avant nous. Ouais. Pas devant le PDP. LSPD pour LSMS. LSMS, j'écoute, je suis devant le PDP. Vous êtes en train d'emmener Murphy tout savoir, monsieur Fordieu. Affirmatif, ouais, c'était vrai. D'accord, faut pas qu'ils aient accès à ces affaires, hein. Nous on est censé pouvoir fouiller avant. Oui, non, vous inquiétez pas. Quand il y a des gens, on a ça de la façon, en général, on évite des visites avant nous. Ouais, ok. Il y a des procédures normalement. Bah là, vous pouvez venir le voir avant, il est pas très bien réveillé donc. Et on s'en fout de lui parler, il faut juste qu'on fouille ses affaires. En attendant le haut. Parce qu'on sait pas où il est. Ses affaires elles sont pas avec lui donc y a pas de souci. Hop. Mais du coup, voilà. Sur place. Mais non, mais de toute façon, en fait. Le truc qu'il faut pas oublier avec les vagos, hein, c'est qu'ils font peur, mais ils n'en font absolument rien. Non, mais enfin, c'est surtout... Oui, on le sait, on s'en fout, c'est comme d'hab.
Bah pour cette fois on s'en fout, mais si on n'est pas là, ouais, c'est chaud quand même. Mais oui, non, globalement... Ils m'ont dit on n'est pas potes, etc. J'ai fait bah très bien, maintenant il n'y a pas de problème, si on n'est pas potes... De toute façon je savais trop bien qu'on n'était pas potes, enfin à bout d'un moment... Faut pas oublier que les Vagos ils fonctionnent uniquement par la peur, hein. Ils ont jamais... ils se sont... Littéralement les Vagos ne se sont jamais battus avec qui que ce soit. Pas de problème. Non, mais, ils fonctionnent uniquement par l'intimidation parce qu'ils ont les infos de la course Santos, hein, c'est... Oui, mais c'est ça, mais genre, ils m'ont dit, oui, on n'est pas potes, j'étais en mode, bah, vous croyez vraiment que je suis votre fanzouz et que je suis partout et que, genre, je vous aime trop et que vous êtes mes besties, enfin, genre, je vous parle et je rigole avec vous juste parce que je suis gentille, c'est tout, hein. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, vous voulez pas qu'on se parle, vous voulez pas que qu'on ait une relation à peu près cordiale, bah, la prochaine fois, il y a aucun souci. Du coup, Pagès, je lui ai parlé comme un chien, je lui ai dit, oui, bonjour, au revoir, je lui ai passé une bonne journée, j'ai hésité à lui foutre, là, les deux braquages, au final, je lui ai mis la complicité. Enfin bref, genre au bout d'un moment, je leur parlerai plus en cellule, il n'y a aucun problème. Alors, vous voulez pas qu'on ait une relation assez, à peu près cordiale, bah il n'y a pas de souci, je ferai mon taf de flic comme je dois le faire de base, il y aura les amendes qu'il doit avoir en max. Est-ce que vous voulez des brownies ? Ah, je veux bien, oui. Avec grand plaisir. Si nécessaire. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, 17, mais... Moi, dis-toi que j'ai fait ça hier, Madame Rodriguez était tout à fait perturbée, la pauvre Pichoune. Hein. Ah, merci. Ouais. Ah, j'en ai deux. Je peux m'en redonner un, du coup, j'ai pas eu. Surtout vous qui en méritez un, vous savez, Doc. Oui. Voilà. Si j'en avais un, je vous le donnerai. C'est très gentil. Oui. Pardon, on appelle radio. Ouais, ça marche, Ariel. Bah, du coup, hop. Oh, attendez, je vais m'éloigner. Merci. Et voilà. Ils sont passés en dessous. Prenez en dessous, prenez pas le tuto. Ils sont en dessous. Ouais. Mais ouais. Bref, ça m'a saoulé. J'avais envie de leur éclater la tête hier. On les a parce que là, j'avoue que Triton il m'a gavé. Compréhensible. Ah ouais. les potins. Non mais attendez, non mais c'est qu'est-ce grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Je monte dans l'ambulance et je lui dis Triton, toi tu restes à l'hôpital et tu gères les patients qui sont déjà là. Okay. Il m'a suivi jusqu'à l'ambulance. Je lui dis, mais tu fais quoi? Et là je le vois rentrer dans l'ambulance et je dis, mais Triton, tu fais quoi? Il me dit, ah je sais pas, je panique et tout. C'est pas vrai, mais à un moment donné. Ah oui. Là il faut pas paniquer. Donc là il arrive, il s'occupe de son patient. J'arrive, je lui dis, t'as fait quoi déjà avec ton patient? Il me dit, bah je l'ai juste endormi. Mais comment ça, tu l'as juste endormi? Ah, nickel. Et donc du coup, bah je l'aide. S'il est pas conscient, il y a pas de problème. Et puis après, je vais aider RL du coup, parce que RL avait besoin d'aide parce que c'était un peu plus important. Je m'en vais. Je reviens, le 10 personnes, je vois Triton qui discute ici tranquillement avec les gens. Mais... Ça a probablement repassé à la marina si tu veux anticiper. Mais non, c'est compliqué des fois, le sang-froid, l'efficacité notamment, c'est. Ah ouais, bah ouais, je lui en parle et puis il me dit, ouais, mais j'ai paniqué. Ah oui, bah super, merci. C'est un mot de paniquer, mais bon. Bah du coup je lui ai dit de chanter trois petits chats la prochaine fois, ça va calmer. Moi je comprends, Eh, l'anesthésie ça me fait toujours bien. Ça. Ouais c'est pour ça, je préfère, on va prendre soin de toi mon... Si jamais il nous a rien donné, c'est hein. C'est pas dans le hall du RSMS, c'est pas oui. Quoi de... Non il va pas dans le hall. Vomissez pas dans le hall du RSMS. Attends, je me relève. Là j'ai pas le visu mais non ils ont fait le tour. Oui non ils sont dans les cadres. Je pense que le SMS, le sol du SMS est vieux. Pire que du hobby. Du coup, vous faites ce que vous avez fait avec l'OAS, comme on s'est dit et tout. Oui, je pense qu'on va le laisser endormir ici ce soir. D'accord, bah nous, du coup, des coups. Ouais, mais en soi, je pense qu'on va aller le voir. On va aller voir ça et puis. Il y a pas de problème. Bon, on était en courant, du coup. Non, j'avais même pas d'armes, j'ai envie de mourir. Ouais, reposez-vous. On n'était pas là pour nous battre, on n'allait pas à la guerre. On va retourner. Si vous nous cherchez, on est au nid. Hein. C'est fou ça, le cadet, ouais, il est de notre côté. Ouais. Ah non. Allez, force, bien sûr. Ouais, force. Bonne chance, cadet. Si t'étais pas cadet, on serait vachement pote. Vous êtes le cadet, et je suis sûr que vous pouvez encore faire des casquettes. Comment ça change ta vie? Dans votre choix du système. Allez, donc bonne soirée. Au revoir, on a des. Du coup, est-ce qu'il y a moyen d'aller aux affaires de monsieur Monsieur Fordieu? Ah oui, bien sûr, je vous laisse voir. On a pris les rails de train derrière le quartier. On va récupérer les affaires si vous voulez rejoindre sur les CP. Parce que bon, on est bien gentil à attendre dans l'eau, mais on bosse à côté. Et là, on peut entrer. 80 km/h. Pardon. Voilà, on est à 60. Et ça a calé sur... Alors attendez, un instant, okay. Je vous laisse attendre.
Regardez, il y a un joli petit nounours là. En effet, il est très bien habillé. Un nœud papillon du plus bel effet. Il est très bien emballé. Ouais, juste là. Effectivement, c'est un peu comme un papy cadeau. C'est ça. Mais c'est pas du coup. En fait, c'est dommage parce que du coup, on sait déjà ce que c'est quoi. Ah. Oula. Après, c'est le geste qui compte. Ah, je vais vous en occuper. Oui, je suppose. Ouais, parce qu'elle est en train de s'occuper de Monsieur Fortuné. Bon, bah, attendre, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. De toute façon, c'est pas lui qui a pissé sur le sol de l'hôpital tout à l'heure. Oh, c'est totalement lui qui a pissé devant l'hôpital, ouais. Il s'est pas lavé les mains. Non, mais ça me dégoûte. Il s'est pas lavé les mains. Vous êtes lavé les mains. Il me dit, bah, j'ai essuyé sur mon t-shirt. Ah! Ah non, je pourrais. Je lui ai proposé plein de fois, hein, mais. Tout d'un coup, j'ai d'autant. J'avais déjà énormément de respect pour votre boulot, j'en ai déjà encore plus là d'un coup. Et puis après, il m'a dit, mais vous savez, moi, mon zigougou, il est propre. Hein. Bah non, du coup. C'est super, je peux pas savoir. Il ne lave pas. Vraiment, ça peut. Et il m'a dit qu'il avait ramassé des chewing-gums dans la poubelle pour pouvoir éviter de zozoter ou je sais pas quoi. Ouais, c'est. Ouais. C'est dur aujourd'hui. Ah, ça a l'air, hein, ça a l'air. Plutôt en plus, vous avez deux, ouais. Trois visiblement, ou deux et demi. On peut même dire deux, je pense. C'est extrêmement méchant. Non mais. Mais compréhensible, compréhensible. Ouais, dur mais réel. Ah, la seule chose qu'il a faite ce soir, c'est jouer avec les clés de l'ambulance et puis prendre la tétée pour aller la réparer au Bénise. C'est rigolo, jouer avec des clés. Ah, non mais. C'est, non, mais au moins il est réparé avec, il dit ça pas. Ça, totalement c'est pas totalement rien. C'est vrai, mais il a pas. C'est pas du travail de médecin. Ouais, mais... Il aurait pu aller réparer les ambulances aussi, quoi. Ça, il le fait pas bien. Très utile, quoi. Non, parce qu'il a réparé juste la tétée, donc. Ouais. C'est terrible d'être médecin si on tient pas la panique, quoi, et les situations de stress. Et puis c'est que surtout, c'est pas la première fois. Il y a pas si longtemps que ça, j'arrive, je le vois devant la porte, tout paniqué. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Triton? Il me dit, en fait, il y a un patient qui a été amené par la secondaire ici. Il est là-dedans. Je sais pas quoi faire. Ah, le patient, il va pas t'attaquer, hein, t'en fais pas, tu rentres, tu lui demandes ce qu'il a eu, voilà quoi. Bah, vraiment le fait du... qu'est-ce que t'as fait du patient? Je l'ai juste endormi, c'est vraiment le... S'il ne hurle pas de douleur, c'est que tout va bien. Hein, c'est... ouais. Non mais le patient, il était là avec son... Bref, sa balle et tout, n'importe quoi. Après, ouais. C'est compliqué des fois, le travail de médecin. Ouais, puis... Surtout quand on peut pas compter sur ses collègues. Ah ouais, non, mais là, ouais, c'était un peu compliqué. Mais bon, je pense qu'il a compris ce que je lui ai dit. Très bien. Est-ce qu'il... Il l'a peut-être compris, mais est-ce qu'il va, du coup, changer les choses? Je sais pas, je lui ai dit que... Enfin, je lui ai demandé ce qui s'était passé, il m'a dit, oui, j'ai paniqué, blablabla. Je suis désolée, je dis, ouais, t'es désolée, mais en attendant, enfin, moi, j'étais toute seule en train de courir à travers l'hôpital, partout et tout, RL était occupée, enfin, tu peux pas rester à discuter avec des gens qui ont pas besoin d'aide, quoi, c'est pas ton taf, en fait. Et donc, du coup, il me dit, oui, je sais, mais je sais pas comment faire pour pas me laisser envahir par la panique, blablabla. Ok, ça marche, je leur dis. Du coup, vous pouvez y aller. Ah, nickel. Okay. Elles sont pas là, ces affaires, je suppose. Ouais. Ouais, coco, Vector. Eh, bonsoir, monsieur Fordu. Ça va? On fait aller mieux que vous, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, ça, monsieur c'est Fordu sûr. Va rester en observation à l'hôpital. Évidemment, restez là, reposez-vous. Oui, je faillais perdre des organes, on l'a dit. Ouais, l'important, c'est le mot feuille. C'est ça, je suis vivant. Hop. Pas de soucis, je vais vous récupérer un pistolet qui vient dans vos affaires. Oui, je peux vous parler. Oui, bien sûr. Bien sûr, pas de soucis, allez-y. Allez. Pas rester. Oui, j'avais rien entendu, je vous laissais passer. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Fordieu? Est-ce que. Je peux faire une demande. Vous pouvez, je peux pas vous assurer que je le ferai, mais demandez toujours. Ok. On a parlé avec Madame Luck, ok? Oui. Pour la chaison, tout ça. Oui. Est-ce que le pistolet, on dit, je vous le rends après qu'on les a fumés? Ah, malheureusement. Vous avez ma parole d'homme.
On vous a déjà laissé faire ça pour un autre truc vachement plus important, monsieur Fordy. Je peux pas me le permettre de vous laisser un flingue comme ça. On en a pas beaucoup, je vous le jure. Et ça, je veux bien vous croire, mais malheureusement, notre seule manière, nous, de ralentir les guerres, notre but, c'est pas de savoir si vous ou les autres gagnent. Notre but, c'est que les guerres s'arrêtent. Vous savez, Victor, moi, j'ai pas tiré sur eux, je voulais tirer que sur les pneus pour les arrêter, et eux, ils nous ont allumé. Nous. Monsieur Fordieu, vous avez calé. Ouais. Vous êtes en guerre. Je crois bien, c'était pas... La compassion, ça ne sert à rien face à des gens comme ça. Adam, vous êtes où, là, Adam? On est encore ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des tirs de sommation sur des criminels. Surtout si vous êtes d'autres criminels en face. On va aller voir. Mais nous, on voulait pas allumer les gens, on voulait discuter à la base. Est-ce que une seule fois vous avez eu l'impression qu'ils étaient là pour discuter? Non, mais on n'est pas des animaux, nous, je sais que moi je suis impulsif. Mais à la base, on veut pas blesser ou tuer des gens, sauf quand ils nous font chier. Là, le but, c'était parler, Victor. Monsieur Fordieu, quand vous êtes allé, ça ne sert à rien d'essayer de parler à des animaux. Oh bien que t'as raison, Victor. C'est louable de vouloir essayer, mais ça ne sert à rien. Ils ont continué de tirer, mais pas j'étais à terre. Alors que le bas, lui, il avait rien sur lui. C'est des malades, Victor. Vous n'avez pas trop de choix. Ouais. Soit vous abandonnez, soit vous tapez fort. N'hésitez pas à répéter ça à Robbie. Je ne sais pas s'il sera content de papoter avec vous. Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de mes conseils, monsieur Ripper. D'accord, comme tu le sens, Victor. Je pense pas qu'il en ait envie. Mais je tiens pas spécialement à ce que vous mouriez non plus. Moi non plus, je veux pas mourir. Et tu sais, Robbie, t'es un flic, mais il t'écoute. Parce qu'il est content qu'il y ait du dialogue entre vous. Tu vois. Pour ça, je me permets de dire ça, mais tu fais comme tu veux, y'a pas de soucis. Si M. Ripper veut me parler, il pourra me contacter. Mais en tant que capitaine de police, je peux pas appeler un chef de gang pour lui dire comment mener sa guerre. Bien sûr, je comprends, bien sûr. Reposez-vous, monsieur Fordieu. On n'a pas envie que vous creviez. Moi non plus, je veux pas mourir, Victor, et je veux pas que tu meurs. C'est bien gentil. Ouais. Bref, remettez-vous d'aplomb. Ouais. Et faites en sorte de régler cette embrouille le plus vite possible. Ouais, c'est le but. Mais pour ça, faut être efficace. Pourquoi, si jamais ? Braquage dessus. Allez. Ouais. Okay. Reposez-vous. Les drones ont été. Bonne soirée. 46-24 en magasin. Eh, pardon, désolé. C'est tout bon. Pas de soucis. Eh, balance, let's go. Ouais. Il vous a dit du coup. Alors, je sais pas si vous devez l'emmener après. Non, on doit juste le fouiller. Hein. On a dit. Non, rien. Globalement, d'ailleurs, je sais pas si vous pouvez transmettre. Globalement, mais s'il y a des trucs sur des fusillades comme ça, en général, on va être là pour fouiller les personnes. Oui, non, mais je sais, comme je disais à votre collègue, en fait, le problème, c'est que normalement, moi, je devais pas être là. Et j'étais très énervée parce qu'on a un collègue qui préfère faire vroom avec les ambulances. Je crois qu'on a une de vos collègues qui nous a raconté un peu des trucs sur votre collègue qui... Il nous a monté en pression toutes les deux et trop énervé, quoi. Donc, je pense que demain, il va y avoir... Ah bon, je laisse gérer votre popote entre vous. Courage. Ouais, merci à vous aussi. Passez une bonne soirée. Et vous de même. À vous aussi. Merci. 47, c'est normal qu'il y a 3 téléphones. Oui. Et pour info, c'est excusé de son erreur d'avoir amené les corbeaux à Fordu avant nous. Madame Brock qui avait 2 téléphones et 2 radios. Oui. Voilà. Pas que je leur montre. Ouais, parfait. Ah, du coup, j'ai récupéré le gun sur Fordieu. Ok. Et c'est type 1. On va au poste là ? Ouais, pourquoi ? On va savoir. Ah, coucou le bénis ouvert, vas-y, on passe au bénis. La dame, c'est direction bénis.
penses que c'est qui va gagner? Y'a personne qui gagne ce genre de choses, je pense, capitaine. C'est très philosophique, mais bah, je suis pas sûr que ça soit réel. Qui je pense va s'en sortir le moins mal de ce conflit, je pense que c'est. Je dirais Chinsengumi. Re-re-bonsoir. Alors. Elle a bien subi quelques accidents, la pauvre Pichoun. Là, on va la chouchouter. Ah, parfait, quelle sympathie. Aucun problème. Merci beaucoup. Merci. De rien. Elle se met pour aller expédier. Elle expédie, elle écoute. Juste une petite question, il est en état d'arrestation ou pas du tout? Absolument pas. Ok, merci. 46. Est-ce qu'il y a moyen que tu viennes nous chercher quand même? J'arrive. Merci. Et vous pensez que qui sortira le moins mal? Au final, je pense que ce seront les corbeaux. Pour une raison très con. C'est que là, les corbeaux, ils étaient pas venus pour se battre. Et je pense qu'ils ont compris que maintenant, il faut se battre. Mmh. Et je pense que Reaper est un meilleur stratège que Ishii. Ils ont l'air d'être beaucoup moins armés aussi. Les infos qu'on a. Oui, je pense qu'ils sont beaucoup moins armés. Mais ça les arme, ça se trouve. Oui, c'est vrai. Oh, il m'a fait de la peine le fort dieu là. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, beaucoup de choses, mais bon, entre deux, il y avait pas mal de. Non, mais je veux pas mourir, je vais pas mourir comme ça. C'est terrible. Ah bah. Bon, il a choisi la mauvaise vie pour ça, mais bon. Il aurait mieux fait de rester à la mairie, hein. C'est clair. Il était bien au Bénise. Il avait l'air bien au Bénise. On peut parler, moi, au final. Bah, je sais pas, à chaque fois que j'envoyais ma voiture, il arrivait. Oh, la titine! Mais c'est, il a l'air vachement sympathique. Ah, d'ailleurs, monsieur le manager de Goliath, oui. Je refais un événement le 28 où j'aurai besoin de 5-10 minutes de musique au milieu. Oui. Et cette fois-ci, ce sera payé le jour même, c'est sûr. D'accord. Vous avez payé le premier? Non. Voilà. Je vous ai bien. Eh, parfait, merci beaucoup. Merci. Et vous de même. Bonne soirée. Bonne soirée. Sympa, elle. Ouais, elle est gentille. Même si je pense qu'il y a des trucs qui tombent pas rond dans sa tête. Oui, elle a des, notamment des goûts de merde en matière de mec. On est exactement. comme dirait mon grand-père, tous les goûts sont dans la nature et surtout les goûts de merde. Adam 26, c'est 28, je sens. Ah, il me fait de plus en plus de peine 88. Alors c'est clair, j'ai l'impression que tu es en train de nous crever dans les bras. Mais capitaine, je crois que j'ai fait couper ma gourde d'eau par terre, je la cherche vite fait. Ah, pas de soucis.
Est-ce qu'il va se repasser un truc? J'y crois moyen. Ah, je l'ai trouvé, elle était là. Ah, félicitations. C'est où là? Elle était entre le siège et la portière. Ah, nickel. En vrai, j'ai pas l'impression qu'il va se passer grand chose, donc moi je vais me poser là. Et je vais faire un tour de l'île à la recherche de ma voiture. De la voiture de 99. Hein. Oui. Il 23 direction Bénis avec lui. 47-18, bonne soirée, peut-être à tout à l'heure quand même. Comment ça, à tout à l'heure? Comment ça, peut-être à tout à l'heure? C'est un 18 parce que je voulais discuter avec des gens, mais si c'est la merde, reviens en service. Ah, disquette. Moi je vais aller en banard. Amuse-toi. Bonne soirée, capitaine. Tant que j'ai pas... Ah. Et 26-10-10 après multite et 26-18. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Bon, en vrai, de toute façon, je te transmets les infos. Je vais venir avec toi. Ah, ok. Victor, d'accord. 26-10-10 après multite, pardon, et 26-18. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'es toujours dispo dans deux jours pour le concert? Oui. Ok, nickel, merci, bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Eduardo. Et bonne soirée, garde. Moi, je pars pas, moi. Quel dommage. Capitaine, j'ai bien à vous m'adorer, donc arrêtez de faire genre, s'il vous plaît. Je sais bien, je suis votre préféré. Commence pas à prendre la confiance. Petite. Quoique je dis ça trop tard. Capitaine, 47, elle m'a frappé. Oui, ça m'étonne pas. Comment ça t'étonne pas? Elle est violente. Donnez-moi son poste, je suis pas violente. Ok. Je rigole. Ah ouais? Je sais que tu seras tout seul au BR hein, si tu me vires. Je recrute 17 direct. Certes. Ça, je voulais gérer hein, parce que moi je m'implique pas là-dedans donc si. Ouais. T'étais pas là quand j'en avais parlé une fois? Non, je crois que t'étais pas là. Mais enfin, en gros, vous voulez attendre que plus de cadets soient passés officiers. Ah, si, ça me dit quelque chose. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Oui, c'est vrai. Mais, okay. Mais là, faut y a 88 et 22, avec un peu de chance, d'ici mardi, ils seront bons. Ouais, 22 en début de soirée, elle conduit un peu bien, enfin, elle conduit genre ok. Genre comme moi, je conduisais comme quand je suis passé officier 1 ou 2, tu vois, genre je galère un peu en conduite, mais genre ça va. Et Oui, j'ai vu l'autre fois, j'ai vu l'autre fois où on laissait le lead, c'était terrible. Mais tu me récupères au magasin, qui est en je suis en vélo, mais ouais. Au pire, on va ensemble. Change et tout, et puis pas de soucis. De toute façon, c'est juste à côté. Hein. Chemise de gros dragueur. Je sais pas, tu veux mettre une autre chemise spécifiquement. Je sais pas pourquoi, mais. Ah, ok, d'accord. Bonne soirée, capitaine. Bonne soirée. Capitaine. Et bonne soirée. C'est parti pour faire le tour de l'île. Ah.
Et 46, 19. Allez, 4. Et 23, 10, 19. Allez, 4. You're never alone. Sometimes I take your lonely road. You reach out your cup. Let yourself go, never alone.
super, je juste le temps. Vous avez combien de pas pour le temps. Mauvaise nouvelle, j'ai pas trop le temps. Faudrait peut-être que je trouve un moment. Sous elle, peut-être je me sentirais vivant. Je pourrais tout faire pour juste le temps. Mauvaise nouvelle, j'ai pas trop le temps. Pour elle, peut-être que je trouve un moment. Sous elle, peut-être je me sentirais vivant. Je suis pas comme son distrait. Rap, motorisé par ma façon d'être. Ok, je m'autorise d'être un peu trop diverse. Mais toutes ces merdes, ça m'a passé les frères. Ok, pas le temps de parler, je vais pas toquer. Ok, t'aurais empire la pratique. Ok, le temps passé, je crois que je suis bloqué. Ok, dans le son, dans la matrice. Tu mon son à ta merci. Je t'en mets son à la maison. L'émotion, pas de raison. Tout le monde peut faire, mais y'a que moi qui fais. Tout le monde veut serrer et activer. Tout le monde peut faire, mais y'a que moi qui fais. La tête en réserve, mais je suis distrait. Tu sais, maman, j'ai des bics. James en sait que ça grimpe le bulletin. Faut faire bouger les têtes sur la rythmique. Easy, easy. Tu sais, maman, j'ai des bics. James en sait que ça grimpe le bulletin. Faut bouger la tête sur la rythmique. Easy, easy. J'aime pas ta gueule, je vais être en feu, mais confiance quand vous êtes sur le en zizou dans les arrêts de jeu. Elle est dans la chambre, elle est sous les draps. Mon génie, j'en vais la place des bras. Elle pense que je suis en train de la doigter. Je mets mon gros doigt de pied. Mes deux questions préférées, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Si je te fends le crâne en deux, quel homme va fermer le premier? Continue à glousser, je te fume et je roule à trois feuilles des ongles. Continue à pousser, tu pourras griffer ton cercueil. J'ai la prose qui tue et même ton corps reconstitué. On ne sait toujours pas qui tu es, ta grande.
lunettes de soleil, par les cages comme en Marseille. Ma question préférée, que je vais perdre tout cet oseille. Je vais perdre tout cet oseille. Je vais perdre tout cet oseille. Ma question préférée, que je vais perdre tout cet oseille. Moi et les rails, on part sur la lune, amuse-toi bien en heure et Moselle. Ma question préférée, que je vais perdre tout cet oseille. Je vais perdre tout cet oseille. Je vais perdre tout cet oseille. Ma question préférée, je vais perdre tout cet oseille. Je ramasse les trois galériens, partie de jambes en l'air. Punchline anti-aérienne, si je lâche les paroles en l'air, laisse tomber, moi reste la guerre. Le motif du crime, ça a l'air, nique sa mère même, c'est sa génère. La juge m'a dit que j'ai sa gère, nique sa mère, c'est elle aussi. Son arrière, son air aussi. Un an envie à ses hommes, leur neuf est bonne, la mienne aussi. Celle du crime, c'est moi le rafi, je suis en couleur, c'est ma sortie. Je suis meilleur cela à bas de soi. B2OBAS gros mafieux comme Gérard Pasqua. Une guerre fausse de la mère chirante du Jack Grossman. Ma question préférée, que je vais perdre tout cet oseille. Je vais perdre tout cet oseille. Je vais perdre tout cet oseille. Ma question préférée, que je vais perdre tout cet oseille. Moi et les rails, on part sur la lune, amuse-toi bien en heure et Moselle. Ma question préférée, que je vais perdre tout cet oseille. Je vais perdre tout cet oseille. Je vais perdre tout cet oseille. Ma question préférée, que je vais perdre tout cet oseille. Moment j'observe un sourire, tout se dessine, je trouve même les fous rires. Bien entouré, j'ai aucun souci à me faire. Bande de tort et on se retrouve en enfer. En ce moment j'observe un sourire, tout se dessine, je trouve même les fous rires. Bien entouré, j'ai aucun souci à me faire. Bande de tort et on se retrouve en enfer. Inspire prenante, inspire un temps, respire de temps. Prends les devants, sincère je m'étends. Dans mes textes, la boue au vent, je la déteste. C'est fini, j'arrête le shit, ouais c'est fini. Maintenant je focus mes rêves, conscience s'élève. C'est pour ça que je me démène, démène. Je suis sorti de l'océan pour me retrouver face au désert. Chasse moi-même, je prends pas des airs. T'oublier, ça prend pas des heures. Je fais ça pour casser la routine ou tracer ma route. Effacer ma rancœur, mes doutes, le passé, ma douleur. Revoir le ciel et ses couleurs. Je serai au sommet si je m'écoute. Si je suis cerné, c'est que je me couche tard. Maintenant je vais mieux, donc je jette tout. On peut faire mieux, on peut aller autre part. Va t'enfermer, pour il est viatant. Hélas, pour toi, cet homme est véloce. T'es caché de là, t'es dans la mélasse. J'ai 3 temps d'avance sur la mélo. Toi, t'attends l'inverse pour cacher tes larmes. Quand t'es cérébral, ma cachette. T'es là, je le ferme et la cage est tenace. Pas le temps de célébrer que l'assassin me régale. Je découpe ses cesses à la tenaille. Je détaille tous mes essais dans mon phone. J'entends ses voix qui me disent fais-le. Faites que dans le fond on est fêlé. J'entends ses voix qui me disent fais-le. J'entends ses voix qui me disent fais-le. J'entends des voix qui me disent fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, 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 fais-le. Je veux changer le monde, je suis le Léviathan. Dans la pièce, fumer les vides. Qu'on se rêve, t'attends pour changer les choses. Faut se lever tôt, j'ai mis vite, y'aura plus d'en fait. Mes paroles sur une dit des infectieuses. Dorian, pioche ta rose bleue en tête. Les merdes de critiques, y'a plus rien qui m'affecte. Effacer mes fautes, rencontrer ma faille. La barre elle est haute, mais t'inquiète, je la fixe. Le pari est plein, c'est la roulette russe. La barre elle est haute, mais t'inquiète.
t'inquiète, je la fais. Le baba baba, il est plein, je le fais. Enivré du père à des idées concrètes. Je quitte le concret pour mener la conquête. Quitte à mourir, autant le faire pour son rêve. Quitte à mourir, autant le faire pour des textes. Si je suis cerné, c'est que je me couche tard. Maintenant je vais mieux, donc je jette tout. On peut faire mieux, on peut aller autre part. Va t'enfermer, Tori Léviathan. Hélas, pour toi, cet homme est véloce. Cache de là, t'es dans la mélasse. J'ai 3 temps d'avance sur la mélodie. T'attends l'inverse pour cacher tes larmes. Quand t'es cérébral, ma cage était là. Je le ferme, la cage est tenace. Pas le temps de célébrer, de l'assassin me régale. Je découpe ses aises à la tenaille. Je détaille tous mes essais dans mon phone. J'entends ses voix qui me disent fais-le. Tac que dans le fond, on est fêlé. J'entends ses voix qui me disent fais-le. Ah, je crois que je sais qui c'est. C'est qui ? C'est Monsieur Crick. Et à 17 qui elle est ? Hop. Hop. Nickel. Allez, ciao.